Attendez, je suis pas encore. Attends, il est pas encore là. Ah. Je suis pas encore. Voilà, donc le live commence. Ah, bon, bah, c'est alors, la première. C'est la première de D&D session. Hein, ouais. Donc, alors, attends, on attend. C'est bon, Guy, tu vois Twitch? Tu me dis quand je peux révéler le plateau? C'est bon. Ok, ouais. Et ben. C'est bon, Guy. Hop! Bien le bonjour à tous et bienvenue sur une émission spéciale. Oui, nous allons. Putain, t'as oublié. Oh, désolé. Oh là là. Quoi? Nous sommes. C'est la première de D&D session. Non, il y a toujours Tokudro, Radium Black, Croquis qui apparaît en fait. C'est pour ça. Ah, mais merde, je suis con, j'ai pas mis à jour. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, c'est les petits. Il faut toujours qu'il y ait des petits couacs, hein. Ça arrive. Hein. Bon, bah, Gaël, désolé. Hein. Bonjour. Bonjour, ce sont des circonstances indépendantes de nos volontés respectives. Hein. En fait, c'était moi qui a mal fait le travail, ma faute. Ça arrive, voilà. C'est le jeu. Donc voilà. Donc je pense qu'il y aura encore des gens en vacances parce que on va pas être beaucoup, mais c'est pas grave. Ah oui. Voilà. Donc je résume. Donc nouveau concept d'émission que tu veux mettre en place, qu'on devait faire mercredi, oui. Mais par des problèmes techniques, on n'a pas pu le faire. Donc là, on fait samedi pour démarrer cette première émission. Exactement. Donc, c'est D&D Session. Ce sera une émission qui sera consacrée à certains thèmes spécifiques. Hein. Ça pourrait être aussi bien du comics, du manga, au niveau des thématiques. Et là, le thème, c'est les sirènes de Gotham, hein, de l'univers DC, avec Harley Quinn, hein, Harley Quinzel, personnage apparu pour la première fois dans la série d'animation Batman. Donc voilà, on se fait plaisir. Donc et là, fait des tests, là, il s'agit d'un de tes dessins que je fais. Oui. D'abord, je fais l'ancrage pour qu'après, pour pouvoir démarrer un thème du Drick and Draw qui est de cette semaine en fait. En fait, non, c'est un thème qui est passé, Guy me dira si je me trompe, il y a 2 semaines, ah. Quelque chose comme ça. Il y a 12. C'était il y a 2-3 semaines déjà. Et puis, deux semaines. Et puis, bah voilà, donc on fait des tests, on se fait plaisir. On fait des tests. Donc voilà, on ne peut pas annoncer d'ores et déjà combien de temps, on ne peut pas annoncer... quel sera notre rythme sur cette émission-là, mais au fur et à mesure qu'on trouvera notre rythme, bah, on pourra vous dire exactement quel jour on fera ça, quoi. Ouais. Et en plus, du Drick and Draw. Du Tokudro. Du Drick and Draw. Du Tokudro, ouais. Oui, le Tokudro, il continue le dimanche, hein, vous inquiétez pas. Hein. Donc, voilà. Donc, si on arrive à trouver notre rythme du samedi et du dimanche, et bah... c'est une bonne chose. Par contre, là, ça me fait échec du chargement du module. Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Sur quoi? Sur Twitch. Sur Twitch? Je ne sais pas pourquoi il me fait ça. Réactualise, oui. Pour voir. Ouais. Ah, c'est bon. C'est revenu. Voilà. Donc, et puis nous avons Guy. Ouais, pareil, j'ai dû réactualiser 3 fois pour pouvoir avoir le... Non, parce qu'en fait, c'est que vu que j'ai mis les infos à jour, ça a dû le perturber un petit peu. Guy, hein, qui est avec nous aujourd'hui. Hello. Donc voilà, Guy, qui était en plein boulot, mais qui s'est accordé un peu de temps pour être avec nous. Hein. Donc, on ça te remercie. Ça fait toujours plaisir qu'il soit là. T'inquiète. Ça fait toujours plaisir, ouais. On est là. Donc, on va essayer d'invoquer Monsieur Master Style. Hein. Bon, alors non, là, c'est que mon gars studio me fait un truc bizarre. C'est que normalement, il me fait pas ça. Et tu vois, quand je veux tracer ma ligne par-dessus, c'est comme s'il était en dessous du dessin, alors pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois tout à fait. Ça m'a jamais fait ça. Bah écoute, l'informatique. Hein. Ouais. C'est l'informatique. Hein, informatique c'est con, va. Voilà. Attends, je vais voir si je peux changer. Il y a quelqu'un qui est là. Ah, putain, il y a le Gaël qui a mis... Ah, c'est toi qui a okay, mis... Bonjour tout le monde, c'est lui, c'est... Exactement. Mon écran apparaissant en rose, là, je me suis dit, oula, qu'est-ce que c'est que ça, là? Pourquoi c'est en rose? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé ou c'est comment, hein?
Donc, donc voilà. Donc, je vais tester les commandes dans l'émission pour voir si ça fonctionne bien. Correctement. Non, c'est pas ça. J'ai dû me tromper. Donc je vais réessayer une autre commande. Alors, c'était quoi? Ah, Spider Guile. Voilà. Nous allons voir si la commande va être approuvée. Ouais, voilà. Marche. La commande est approuvée. On va voir pour le Instagram si ça fonctionne. Spider Guile Insta. Donc, si ça ne fonctionne pas, on corrigera ça à l'occasion. C'est dingue que ça fasse ça, là. Si je diminue encore pour citer, ça fait quoi? Bizarre. J'ai dû mal taper la commande d'Instagram. Ah, ah bah voilà. Oui, j'ai mal tapé la commande. Ah, voilà, ça marche mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Non, j'avais mal tapé la commande Instagram. Voilà, elle fonctionne. Donc voilà, voilà. Et vu que la thématique, c'est sur les sirènes de Gotham, Gail, est-ce que tu as une préférence sur ce trio? Qu'est-ce que tu penses de ce trio? Tu les qualifierais plus de... Faut que je refasse tout le line de la bouche, ça me plaît. Parce que ouais, vu que j'ai ce problème, là... De circonstances, oui. J'espère, Val Torgan, terminé. Pas de soucis. Donc, quoi, je disais, de circonstances, oui, c'est des anti-héroïnes, entre guillemets. Mm-hmm. Allez, vas-y, Val Torgan. De quoi? Oui, non, oui. Ici, là, j'ai pas entendu. Parce que t'as commencé à parler, donc je voulais pas t'interrompre, en fait. Ah bon, j'avais dit quelque chose? Allô? Quelque chose. Bah oui, ah non, mais j'étais en train d'insulter mon logiciel, en fait. J'étais en train d'insulter mon logiciel. Oui, parce que là, tu vois, maintenant, ça remarche normalement. Parce que j'arrivais pas à voir les lignes que je traçais au-dessus du dessin que tu m'as passé, alors qu'il m'avait jamais fait ça. Et là, j'ai réussi à le dompter. D'accord. Eh ben, c'est une bonne chose, alors. Voilà. Une bonne chose. Alors, Guy Steven vient de voir le message. Donc, s'il ne vient pas demain, il assumera les conséquences. Ouais. Il n'est pas tiens, justement, vu que vous parliez des sirènes de Gotham, moi, je connais pas assez bien ce comics-là. C'est un comics à la base, d'abord. Il n'y a pas eu d'autres adaptations. Elles apparaissent surtout en comics, les sirènes de Gotham. Hein. C'est un trio qui réunit Poison Ivy, Harley Quinn et Catwoman. Ouais. Et justement, je demandais à Gail ce qu'il pensait de ces personnages-là, s'il les voyait plus comme des héroïnes, des anti-héroïnes. Oula, j'ai roté, désolé. Je préfère m'excuser. Okay. Ouais. C'est pour ça. Oui, c'est des anti-héroïnes, comme tu disais. Et après, tu me demandais ma préférence sur l'une des trois. Mm-hmm. Je dirais Catwoman. Ah bah oui. Le côté esthétique, athlétique du personnage. Mais j'ai pas vraiment de perso préféré. Tu vois, le souci avec Harley Quinn, c'est que ça prend la route de. Ah, attendez, je vous interromps deux secondes. On m'a appelé. J'ai oublié de prévenir que je faisais un live. Je reviens tout de suite. Hein. Je coupe le micro. Pas de souci. Ça arrive. Ça arrive. Hein, c'est jeu, très, très fatigant à lire. En fait, je disais donc. Ah, ok. Les aléas du direct, mon gars. C'est les aléas du direct. Voilà, mais sinon, je connais pas trop. Enfin, je connais les personnages, mais je suis pas trop. Ouais, on connaît. Je suis désolé, c'était ma faute. J'avais oublié de prévenir chez moi que je faisais une mission le soir. D'accord, pas de soucis. Pas de soucis. Hein, alors. Il n'y a pas de soucis. Ah, Steven, tu as vu le message? Pas, tu vas voir. Parce que j'ai l'onglet de Steven là, c'est même pas l'onglet, j'ai la notification, je sais qu'il a vu le message. Hey ah Steven, ne me cherche pas, si tu ne viens pas, je donne ton billet à Gail. N'importe quoi. Bah oui. Ah bah oui. Je pense que ça va le motiver un petit peu. Hein. Il pourra donc, oui, comme je disais, donc voilà, et... Est-ce qu'on s'est perdu un petit peu avec les aléas du direct? C'est ça. On parlait que les préférés entre Poison Ivy, Catwoman et Harley Quinn. Moi, j'ai pas tellement de préférence. J'apprécie quand même le personnage Harley Quinn,
Mais ce que j'aime moins, c'est trop les changements brusques qu'il y a eu un peu des fois autour de ce personnage. Après, c'est peut-être le D'accord. côté nostalgie qui parle, hein. Ouais. Non, comme Gaël, il disait tout à l'heure, c'est que lui, ce qu'il reproche un petit peu, c'est comment dire, c'est le fait. Je voulais pas beaucoup. Non, c'est pas ça. Donc, Gaël disait, c'est surtout le fait que Harley Quinn prend une direction un peu trop similaire à celle de Deadpool, en fait, chez Marvel, ce qui n'est Ah pas tout à fait. oui, bah ouais, non mais oui, parce que Harley Quinn c'est pas du Deadpool. Le Deadpool, Bah, l'intérêt de ce personnage, c'est que déjà en fait il est immortel, donc il peut se permettre certains trucs que elle pourrait pas, même si elle est un peu fofolle, mais en vérité elle est pas vraiment folle Harley Quinn, hein. C'est juste que elle était terriblement aveuglément amoureuse du Joker en fait à la base. enfin, moi, je comprends Guide ce qu'il veut dire par rapport au côté Deadpool, c'est parce que elle est omniprésente, elle occupe vraiment la scène médiatique chez DC depuis C'est pas mal ça, d'années déjà, exactement. que ce soit dans les séries d'animation, ce soit dans les jeux vidéo. Par exemple, je prends juste les Batman Arkham, elle a vraiment une prépondérance importante. Elle a même un DLC dans Batman Arkham Knight, si je dis pas de bêtises, qui s'appelle La Vengeance d'Harley Quinn. Là, Oui. sa prépondérance a pris encore plus d'impact, a eu encore plus d'impact avec la série d'animation pour adultes Harley Quinn. Donc, c'est une bonne chose, mais je pense que ce que veut dire Guy, c'est peut-être trop de Harley Quinn, tuer Harley C'est Quinn, quoi, ça, à un moment donné. c'est le syndrome Wolverine des années 90, en fait, où tu le mettais dans toutes tes séries pour faire booster les ventes. Pour même, enfin, s'il y avait un intérêt ou pas, enfin, l'intérêt était commercial en tout cas, donc on le voyait partout. Et ça a un peu, pour moi, bousillé l'intérêt de Wolverine, en fait, de faire apparaître des persos juste pour booster les ventes d'autres séries qui n'ont rien à voir avec le personnage. C'est ça. C'est un choix après, hein. C'est une industrie, Bien donc on sûr. comprend, mais c'est fatigant en fait. C'est fatigant Ouais. et finalement ça t'enlève le fun du personnage en. Personnage, ouais. Ouais. Alors que le mettre, enfin l'utiliser avec parcimonie et à bon escient, c'est plus efficace que de le voir partout, quoi. C'est Tout le pas faux. temps. C'est pas Ouais, c'est faux. un Et, peu le même problème qu'il y avait et c'est avec encore plus Batman ennuyeux aussi, lorsqu'il y a hein. des persos, justement, avec un fond humoristique, décalé, comme ça, parce que en fait, ça peut vite t'user. Bah oui, tout à fait. Ouais. Oh non, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord. Et là, au moins, où j'ai senti le côté vraiment Deadpool du personnage, c'est quand il y a eu les premières présentations, comment dire, le trailer sur la série d'animation à l'époque. Enfin, ils ont fait le tout premier trailer pour la série d'animation où tu la vois, elle est en train de parler avec Poison Ivy. Elle dit, oh, je suis super contente, vous allez suivre ma série et mes aventures. Tant pis pour toi, Deadpool, toi, t'auras pas ta série. Tu fais, ouais, d'accord, tu sens vraiment le virage Ben oui, mais Ah, c'est le clé, quoi. truc où ça brise le quatrième mur, C'est non, le quatrième ça, c'est un truc miroir. qu'ils ont piqué à Deadpool, ouais. Bah ouais, et en fait, le fait qu'elle lance des petites piques à Deadpool, maintenant, tu sens vraiment que DC se sert d'elle pour. C'est leur anti-Deadpool, on va dire, quoi. C'est ça, C'est leur exactement. anti-Deadpool, quoi. Et ça fonctionne bien. Donc, alors, moi, je suis content de la popularité du personnage, mais comme dirait Guile, avec parcimonie, quoi. Peut-être mettre d'autres personnages en avant, ça pourrait être cool. Un meilleur traitement pour tout le monde, quoi. Disons, Donc, parce qu'il y a tellement de faut pas personnages. qu'ils exagèrent quand même, hein, parce que le personnage, si on veut qu'il garde justement ce qui fait son charme, entre guillemets, parce qu'il peut y avoir le revers de la médaille, hein. Bien sûr. Regarde, je vais prendre un exemple tout bête, où souvent tu m'as souvent dit qu'il s'est énervé au bout d'un moment, c'est Batman. Au bout d'un Batman, je trouve Ah, que je reconnais qu'à des moments, c'est c'est un héros qui est trop utilisé. même pas qu'il est trop utilisé, j'irais même plus loin que ça. C'est que moi, ce que je reproche à Batman, et j'en ai parlé à Guile peut-être de temps en temps au D&D, c'est que moi, ce que je reproche à Batman, c'est que Batman, il est vraiment surcoté chez DC. Il peut tout faire scénaristiquement parlant. On va te dire, c'est normal, c'est Batman. A contrario, quand tu as d'autres personnages qui vont accomplir certains exploits ou résoudre certaines énigmes, Ah, comme on c'est va te que. dire, Bah, ouais, mais normalement, c'est. Superman, tu sais, quand j'ai vu. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé. Mais ce que normalement, Superman, il devrait mieux le travailler parce que. Tu sais, j'ai vu la version animée de All-Star. Superman, c'est aussi Ouais. un des êtres les plus intelligents de la Terre, voire même Ouais. de son univers. Ouais, mais le problème, c'est que si tu veux, il y a cette espèce de déification injustifiée autour de Batman. Alors pourtant, j'adore Bruce Wayne, j'adore Batman.
même si c'est vrai que j'ai toujours préféré Kal-El, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu entends les gens dire, oh, c'est Batman, il peut tout faire, c'est normal, bah non, il peut pas tout faire. À un moment donné, ça reste un humain. Et je pense que même DC, c'est un truc que j'avais constaté il y a 2-3 ans, même eux, ils savent plus quoi faire avec Batman au niveau de son statut de héros, parce que là, depuis DC Rebirth, Batman est officiellement catégorisé méta-humain, en fait. Mais c'est vrai qu'il peut tout faire. Après, Gaël, je sais pas ce que toi t'en penses de cette surmédiatisation de Batman aussi. Mais c'est vrai, même moi, personnellement, ça m'avait saoulé évidemment. Mais Batman, il n'a pas le même statut qu'Harley Quinn, en fait. Batman est un étendard de la marque DC, Warner et tout ça. Donc Je suis c'est d'accord. forcément, c'est comme Spider-Man, en fait. Tu es Ah, obligé je de suis voir d'accord. partout. Ah, Non, je suis ah d'accord. bah Spider-Man, c'est bien que t'en parles, je trouve il a un peu le même problème, Spider-Man. Mais c'est normal, Non. c'est ce qu'on appelle des personnages flagship. Les personnages flagship, c'est les étendards des boîtes pour lesquelles, Ouais, enfin, pour c'est lesquelles les ils sont mascottes en créés. fait. Ils sont. Voilà, c'est comme une mascotte. Ils sont obligés d'être utilisés enfin, au maximum de leur possibilité, de leur rentabilité. Et donc, ça n'a pas le même statut qu'une Harley Quinn, qui, au demeurant, est en train de devenir un truc un peu similaire, mais qui a quand même quelques années avant d'arriver à ce niveau-là. Donc, Bien ce n'est sûr. pas tout à fait pareil. Mais moi, ce que je voulais surtout dire, Gaël, c'est vraiment le fait qu'aujourd'hui, scénaristiquement parlant, quand tu parles à quelqu'un de lambda qui ne lit pas forcément des comics, tu vas lui montrer n'importe quel exploit de Batman, même le plus improbable qui soit. Moi, l'exploit le plus improbable que j'ai vu, c'est quand même Darkseid qui tire dessus avec le rayon Omega Beam, mais ça lui fait rien du tout. Genre, le rayon, il change de direction, tu vois, t'as pas d'explication. Les gens te disent, oh, mais c'est Batman, il peut tout faire. Et quand c'est. C'est dans quel épisode, si c'est pas indiscret? Faudrait que je te retrouve le truc. Je te retrouverai le truc Parce là. que si ce que tu me dis est C'est vrai, pas le truc où il c'est a une sa fausse. fameuse armure justement quand il va récupérer le corps de Oh son fils non, Damien? non, c'est même pas ça. C'est Même pas celui-là? un gros ta gueule, c'est magique. Il faudrait que je te retrouve le truc. Là, je l'ai pas sous les yeux, mais je te le retrouverai. Au moins, quand j'ai vu comment ça. À mon avis, il y a une explication. Ils font pas ce genre de choses Ouais. aussi grosses sans qu'il y ait une raison logique, en tout cas à l'univers. Ah, mais l'explication, elle a bon dos, tu vois, c'est honnête, Le c'est... comique, hein. C'est voilà. Hein. Je sais, non, je sais, non, mais je suis d'accord, mais c'est vraiment le fait que c'est la déification autour du personnage, tout excuser scénaristiquement ce qu'il peut faire et reprocher aux autres personnages des exploits du même acabit, je trouve ça un petit peu fort de café, si tu vois ce que je veux dire. Après, bon, c'est juste un ressenti, hein. Donc, Oui, faudrait, comme tu l'as dit, il y a peut-être une explication, mais c'est surtout le fait que... il y a sûrement une explication, ça c'est sûr et Parce certain. que surtout que le rayon Omega Beam, il change pas de Moi, direction j'ai comme une ça, je veux dire. question pour vous deux. Bah, tu me l'avais déjà donné à une époque, quand même, mais je me sais, j'ai reçu l'avis de Guy, vu qu'il est en plein dans mon milieu. Superman, pourquoi il y a une énorme différence entre la version du comics et les versions d'adaptation film et animé? Tu sais, que ce soit en termes de C'est la même. personnalité, de pouvoir, etc. Je sais pas si tu vois de quoi je peux parler. Parce que c'est la même chose que dans tous les personnages que tu verras au cinéma. C'est une adaptation. Donc il y a des parties prises qui sont prises par les studios, les scénaristes qui bossent dessus et autres. Et c'est pas forcément le matériel source qui est le comics, qui est la référence à 100% du travail qui est projeté au cinéma, tout simplement. C'est la même chose pour les dessins animés. Il y a toujours des différences. Même si on a moins qu'avec le comics, il y a toujours des différences. Parce que ce que tu peux lire en comics n'est pas forcément adaptable ou adapté selon des critères qui leur sont propres. Ils ne sont Exact. pas adaptés Ouais. comment dire, à l'audience type cinéma ou télé. Donc, prennent des libertés pour édulcorer ou aller plus loin des fois dans certains trucs que le matériel source de base. Ouais, mais je Ouais, trouve que c'est c'est quand ça, même à c'est une cause de question. ça que t'as le personnage Superman, il a été, comment dire, moins populaire que le personnage Batman. C'est pas tout à fait vrai, je pense pas. Ben si, Non, parce en que fait, tu vois, ce que je veux dire, c'est que Batman, dans ses adaptations, par exemple, animées, contrairement à la version animée de Superman, comme moi, tu m'as fait, quand JD m'avait fait lire quelques extraits de comics, tu vois, sur Superman, je voyais une énorme différence qui était que il y a des comics Batman que j'avais lu, que je retrouvais dans certains trucs, tu vois, des dessins animés ou des films,
Mais pour Superman, c'est pas vraiment le cas. Superman, j'ai trouvé que que ce soit chez des réalisateurs ou des adaptations, ils se permettaient de prendre plus de liberté sur ce personnage, et c'est-à-dire de le réduire ce qu'il est réellement. Pour te faire une comparaison, c'est simple. C'est comme si tu vois, tu as le cas, tu sais, quand ils ont voulu faire une version live de Dragon Ball, qu'ils avaient appelé Dragon Evolution. Ils ont voulu faire une pâle imitation, en vérité, de Son Goku en Superman, mais en vérité, c'était pas du tout le personnage. Et c'est pour ça que les gens n'avaient pas aimé. Et Superman, je trouve que il devrait quand même plus s'inspirer sur le personnage des comics, parce qu'il n'est pas que l'être le plus puissant et tout. Il apporte beaucoup plus. Il a un aspect qui est, comment dire, très humain, plus humain qu'il y a chez ses compères héros. Que je trouve, c'est un aspect qui est de plus en plus enlevé chez Superman dans des adaptations. Bah, en fait, le souci, enfin, c'est même pas un souci pour moi, c'est le souci de certains, comme Guy l'a si bien dit, c'est une question de public. Pour beaucoup de gens, je dirais pas, on va dire, je vais prendre le cas de la France. Pour beaucoup de gens en France, le fait que Superman soit un Boy Scout, qui défende la paix et la justice, qui se retient dans ses actes parce qu'il peut détruire le monde, pour eux c'est pas logique, ils comprennent pas ce concept d'un mec qui est tout puissant et qui se retient, donc pour eux c'est chiant, ils veulent pas s'y intéresser, et forcément on va se jeter sur sa contrepartie humaine de la nuit, Batman. Et pour les comics, alors pour les adaptations cinématographiques et télévisuelles, faut savoir qu'en général, hein, DC Comics, et bon, Gaël me corrigera si je me trompe, faut savoir que DC Comics, quand même, ils ont une longue histoire avec les héritiers de Jerry Siegel et Joe Shuster. Donc, en général, les héritiers de ces deux créateurs de Superman ont en général leur mot à dire. C'est vrai qu'actuellement, on aimerait voir plus de Superman au cinéma. C'est vrai que je fais partie des rares à vouloir une suite à Man of Steel 2, hein, à Man of Steel, tout simplement. Pareil, tu veux aussi. Oui, mais parce que souci, moi, en fait, je t'explique le problème que j'ai, c'est que quand on te montre que la version de Batman, quelque chose d'adaptation, on te montre toujours le point de vue de Batman qui voit toujours Superman comme un danger, et que t'as beaucoup de gens qui disent, oui, c'est vrai qu'en fait, il est dangereux s'il pète un câble, etc., etc. Alors qu'en fait, que Batman, lui-même, s'il se fait manipuler, il est tout aussi dangereux. Ah, mais bien sûr. Et c'est pas, pour ça que... Pas à la même échelle. Mais c'est pour ça que je te dis, Walter Gunn... Pas à la même échelle. C'est ce que je disais, c'est qu'on va tout pardonner à Batman. Attends, je suis désolé, c'est quand même des Batman de l'univers parallèle qui viennent envahir d'autres univers. C'est pas des Superman. Donc, oui, mais si t'avais la même chose avec un Superman, ce serait beaucoup plus dangereux. Mais il y a un truc aussi que moi je comprends pas. Pourquoi Superman, on le fait toujours aussi passer pour un fragile dès qu'il y a Lois Lane qui meurt? Bah, parce c'est que... Fragile. Bah, de base, parce qu'il est fragile. Psychologiquement, de base, Loïs, c'est son univers, tu vois. S'il arrive quelque chose à Loïs, c'est clair qu'il peut péter un câble. Après, pour en revenir à Man of Steel, personnellement, je fais partie des rares qui ont aimé le film, hein, moi je le dis. Mais le souci qu'il y a eu avec Man of Steel, et c'est un truc que j'ai eu l'occasion de dire avec Gaël, le problème, c'est que les gens n'ont pas apprécié cette adaptation de Superman qui est inspirée de New 52, des comics. Il faut savoir que New 52, des comics, cette itération n'a pas du tout plu au public. Et du coup, il y a cette espèce de haine envers Snyder. Et c'est pour ça que DC, actuellement, ils ne savent pas quoi faire au cinéma avec Superman. Ils ne savent pas quoi faire. Donc là, ils sont en train de se rabattre sur les séries, par exemple. Et par exemple, la série Superman et Lois, le public américain, j'ai testé... je sais que toi, tu n'es pas convaincu, Gaël, mais c'est vrai que j'ai testé la température. Les Américains, pour le moment, ils préfèrent beaucoup plus le côté Boy Scout proche des comics de cette version-là de Superman que, ouais, que Henry Cavill, tu vois, du World of Peace. Tant mieux pour eux. Donc, et parce qu'il y en a beaucoup. C'est trouvé que c'était une bonne évolution du personnage, justement, de le rendre plus réaliste. Parce qu'à un moment donné, quand tu combats des mecs comme Zod, tu le fais pas sans casser des œufs, entre guillemets. Ah, bien sûr. Et c'est logique dans le film, puisque en fait, le gars, bon, il utilise
pas pour la première fois, mais à cette échelle-là, il utilise ses pouvoirs à ce Bien niveau-là sûr. avec un adversaire, parce qu'il n'a jamais eu d'adversaire en fait avant que Bien Zod sûr. arrive. Donc, Bien sûr. il utilise les capacités qu'il réprimait depuis l'enfance Bien sûr. à un niveau qu'il n'avait jamais utilisé et contre quelqu'un qui veut le tuer et qui veut tuer des gens. Bien À un sûr. moment donné, quand tu ne sais pas, quand tu n'as pas eu de l'expérience du contrôle de tes pouvoirs et que à un moment T, bah, tu ne sais plus quoi trouver comme solution pour arrêter cet adversaire qui est en train de balancer le désert, qui menace de couper la famille dans la gare là, en deux, tu fais ce que tu as à faire, hein, c'est tout. Hein, Et après, et je tu... pense qu'il n'a même pas, il a même pas réfléchi, il l'a fait d'instinct parce qu'il n'avait pas d'autre solution à ce moment-là. Et les gens ne l'ont pas compris. Moi, je pense que, moi, honnêtement, comme tu le sais, hein, moi, j'ai aimé ce film, mais cette séquence, honnêtement, en question de Man of Steel, ça m'a un petit peu mis mal à l'aise. Ça m'a mis mal à l'aise dans le sens que, mais bon, je suis pas tombé dans la haine, Ah non, parce mais que, moi en j'ai fait, je adoré cette comprends pas. scène. Parce que, justement, quand tu parles de Bah cette justement, scène, c'est pas du tout dans le comics, donc et en fait, ce qui a beaucoup gêné les gens, c'est c'est vrai, je reconnais. que c'est ce parti pris, en fait, parce que moi, quand tu poses la question aux gens qui ont lu le comics ou qui n'ont pas lu de comics de Superman, hein, ou qui ont juste regardé des séries d'animation, le premier argument, c'est de te dire, qui te disent pourquoi ils n'aiment pas Man of Steel, c'est déjà, ils te disent, déjà, il ne sourit jamais, il est antipathique dans ce film, et le mec, c'est même pas un symbole d'espoir, il tue quelqu'un sciemment. Alors que on a eu des tas d'aventures où il a été confronté à ce genre de choses, il a jamais tué quelqu'un de sang-froid comme ça. Oui, Donc, mais il avait de l'expérience, quand il a eu ces histoires-là. Il avait des épisodes et des épisodes de confrontation avec des gens et voilà, le contrôle de lui-même, de son pouvoir, tout ça. Là, c'est un gars, ça vient de lui tomber dessus, en fait. Et donc, forcément, manque d'expérience, tu ne gères pas pareil que quand tu as eu ce genre de situation plusieurs fois, en fait. Mais c'est vrai que moi, c'est pas qu'on joue, on est en 2021. C'est vrai que Man of Steel, c'est vraiment un film qui continue de déchaîner les passions sur Ah, moi j'ai kiffé. Hein. quand tu y en et le pire, c'est que tu vois, il y a vraiment cette tu as par exemple, tu as des auteurs de comics qui ont adoré le film, par Voilà. exemple, et tu en as qui ont exécré le film, qui Moi je détestent sais. le film Je en sais. mode, mais comment ce truc-là a pu être validé en amont? Ouais. Snyder, il comprend pas il comprend pas les personnages, il les a transformés en meurtriers, c'est honteux, c'est vraiment parti très très loin, quoi. Oui et non, mais bon, après, voilà, c'est les goûts, les Ouais, couleurs, parce hein. que c'est vrai qu'il y a, là, il y a un Mais truc que je rejoins de Guy. C'est comme avec un policier. Quand il se surtout, tu prends un policier, s'il se retrouve dans une situation critique, s'il se sent obligé de tuer, il tue, hein. alors, en fait, si tu veux, je Parce que peux ça dépend comprendre, vraiment de la je comprends. situation, en fait. Superman, comme t'as dit, Guy, il s'est trouvé dans une situation qu'il n'avait jamais vécue avant. C'est ça que tu dis, Et en je fait. pense, après, Ouais, c'est ça. c'est vrai que quand tu as dépeint pendant des années un personnage d'une certaine manière psychologiquement parlant, genre c'est son trait de caractère qui fait sa personne et tu le vois agir comme ça, je peux comprendre que ça perturbe. Moi, je prends mon cas, moi, mon personnage, mon héros, Jarod Slade, Blue Thunder, moi, c'est un truc que j'ai écrit scénaristiquement parlant. Je veux dire, le mec ne tue pas. De base, il ne tue pas, c'est pas son truc. Mais supposons, rêvons, hein, rêvons. Supposons que demain, dans un univers parallèle, il y ait une adaptation cinématographique et que je vois le mec tuer des gens, moi je serais en mode, mais en fait, t'as rien compris à mon personnage. Il ferait pas ça en fait. Mais c'est Donc pas c'est pour tuer ça que des gens, c'est je tuer un comprends. antagoniste alors qu'en fait il Mais était même dans un une antagoniste, il... situation, il était dans un ultimatum. Bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que moi, mon personnage, même face à un antagoniste, il va pas le tuer, en fait. C'est ce que j'essaie de dire. Mais il va pas le tuer, mais voilà, c'est son trait de caractère. Mais encore une fois, là où je vous rejoins, c'est que je ne comprends pas, en fait, pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les gens ont autant de colère envers Man of Steel, alors que pourtant, c'était un très bon film. Moi, C'est j'ai un beaucoup très bon aimé. film, très très bon film, ouais, franchement, Et ouais. je pense que c'est à cause de ces mauvaises réactions du Et pourtant, public. quand tu regardes bien le film, mettant les scènes d'action de côté, le film est très humain. Ah, bien sûr. Le Clark Kent de Bond est très très humain. Il parle des problématiques justement de contrôle de soi, de cacher sa vraie nature,
pour le bien de la communauté, des autrui. Il y a tout, en fait, dedans. Bien sûr. Il y a tout. Il y a tout ce qui fait Superman. Sauf que les gens, ils s'attendaient peut-être à voir Superman Returns en, en mieux fait. Et Superman Returns, pour moi, c'est insupportable. Bah, tu sais que... Le gars ne fait que soulever des trucs. Soulève un camion, soulève un avion, soulève un bateau, soulève une île. Le seul truc de, d'action pure, s'opposant à, on va dire, à un adversaire humain, autre qu'un objet inanimé, c'est quand on lui tire une balle et qu'il l'arrête avec son œil. C'est le seul truc. Sinon, il ne fait que soulever des choses. Et mais tu sais, c'est marrant que tu parles de Superman Returns, parce que quand ils ont fait revenir cette version de Superman dans le crossover Crisis on Infinite Earths, qui a officialisé le multiverse, moi, je suis parti tâter la tendance sur les réseaux sociaux, mais c'était incroyable à quel point les anglo-saxons ont dit « Putain, c'est ça le Superman qu'on voulait voir. C'est pas l'espèce de meurtrier qu'on a vu au cinéma. » Superman qui fait rien, Et après, je trouve qu'ils ont réussi à rattraper le truc. Dans... Alors, ce qui est paradoxal, c'est que c'est vrai que même moi, si je... j'aime bien Superman Returns, c'est vrai que je préfère Man of Steel, mais je trouve que dans le crossover, ils se sont mieux rattrapés sur le personnage. Mais c'est en vrai plus, que... Il y a des choses qui sont... Ah non, moi, Superman Returns, moi, je l'ai pas aimé, ce film. Hein. Il est séparé de Lois dedans. Oui, il est séparé de Lois, c'est ça. Ouais. Et le gars, qu'est-ce qu'il fait? Un truc que Superman ne fera jamais. Il va voler, il va l'espionner. Il va faire le stalker devant son appartement pour voir comment elle vit et tout. Superman ne ferait jamais ça. Je me rappelle même pas de cette séquence. Mais oui, mon gars, moi, quand j'ai vu cette scène-là la première fois au cinéma, je dis « Oh non, Superman stalker !» C'est à quel moment du film, exactement? Il dit ses pouvoirs pour espionner son ex. Mais non, tu fais pas ça. C'est à quel moment? Et puis, attends, comment Superman pouvait avoir un enfant avec Lois? Parce que il a un fils, en plus, dans ce film-là. Alors que moi, d'après ce que j'ai compris, biologiquement, ils pouvaient pas en avoir. Comment? Alors là, c'est pas expliqué comment ils ont pu l'avoir, ce fils. À la base, c'est dans la mythologie kryptonienne, de base, un humain ne peut pas avoir, enfin, un terrien ne peut pas avoir d'enfant avec un kryptonien. Une kryptonienne, mais depuis Multiverse oblige, ils ont réécrit les histoires, donc maintenant tu peux avoir des enfants, tu vois. Tu peux avoir des enfants, mais c'est vrai qu'à la base non, tu pouvais pas avoir d'enfants. Un derrière ne pouvait pas avoir d'enfants, et c'était un parti pris qui avait été abordé notamment dans la tristement célèbre série Lois et Clark, hein, où à un moment Lois Lane essaie d'avoir des enfants avec Clark Kent, mais on lui fait comprendre que t'es pas humaine, t'es pas kryptonienne, ma cocotte. Tu peux pas avoir d'enfants avec lui. Donc, mais là depuis ils ont corrigé ce postulat-là et il a eu des enfants. Enfin, il a eu un enfant dans les comics. Il a eu un enfant avec Lois, hein, c'est Jonathan Kent. Jonathan Kent, ouais. Le nouveau Superman, hein. Donc, parce qu'à la base, c'était le nouveau Superboy, mais maintenant ils l'ont appelé. Il a sa série à lui qui s'appelle Superman Son of Kal-El. Ils font pas mal de trucs avec lui d'ici là, pour le mettre en avant. Et non, ça fonctionne bien. Non, mais je suis désolé, dans le film, c'est pas expliqué. Et moi, j'aimais bien ce concept, justement, où, justement, comment tu peux savoir si tu rencontres une race alien qu'on serait reproductible. Ça se trouve, ça serait impossible, logiquement. On le voit déjà, pourquoi il y en a qui se posent la question. Pourquoi t'as certains mammifères qui pourraient pas s'en reproduire avec d'autres? Parce que t'as la génétique qui joue dedans. Alors que tu prends, justement, une animation de All-Star, Superman All-Star, tu as justement Lex Luthor pour se faire pardonner. Il résout, tu vois, la barrière de l'ADN pour permettre, tu vois, en fait, à que Superman puisse avoir des descendants après sa mort, enfin, sa soi-disante mort. Ça, par exemple, c'était un truc qui était expliqué. Bah, c'est pour ça que je t'explique, c'est pour ça que je te disais que c'est un parti pris, le fait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfants, c'était un parti pris qui existait jusque dans les années 90, début 2000, et là, depuis... ils ont corrigé ça milieu des années 2000, 2010, et voilà. Après, je pense que si le film avait eu le succès escompté, ils auraient pris le temps de développer ça. Mais bon, le film a eu un succès moindre et ils n'ont pas pu développer ça. Mais après, voilà, il faut, comme dirait Guy, hein, comme il l'a dit juste avant quand je parlais par rapport à Batman, c'est par rapport aux comics, hein, c'est les univers parallèles, tu as certaines choses qui arrivent, d'autres qui n'arrivent pas, voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Regarde, c'est comme qui aurait cru que des années plus tard,
que Harley Quinn ferait partie de la Bat Family. Alors que pendant des années, Harley Quinn, c'était vraiment la fille qui était assujettie au Joker, qui était prête à faire n'importe quoi pour lui. Et ça aussi, c'est un statut qui perturbe beaucoup de gens, parce que beaucoup de gens préféraient la Harley Quinn qui dépendait du Joker et qui n'aime pas le fait que voilà, Harley Quinn soit devenue une anti-héroïne et une justicière, quoi. Donc, Moi, je peux pas faire comprendre même temps, ça. En même c'est... temps, c'est logique, parce que vu la période que l'on vit, définir un personnage féminin que par le mec qui est là, compliqué. C'est ça. C'est ça aussi qui est... C'est pas tout à fait conventionnel par les temps qui courent. Bah, surtout qu'on va te taxer de choses qui sont, auxquelles que tu n'es pas, tu vois. C'est, voilà. On en revient à la thématique. Moi, je trouve que c'est une bonne évolution. En fait, la meuf, elle se gère par elle-même, elle vit par elle-même. Bien c'est sûr. Normal. Bien sûr. Elle ne peut pas être que définie par le gars avec qui elle sort, c'est pas possible. Après, c'est ce qui est, de, ce qui est la question. C'est vrai, je reconnais le développement de personnage était quand même intéressant. Mais quand tu me dis que ça copie un peu la personnalité à la Deadpool, comme le truc où ça, elle casse le quatrième mur, faut pas abuser non plus, quoi. C'est un truc qu'elle déjà faisait pas avant, ils ont dit qu'elle faisait ça, voilà quoi. En fait, elle le fait, mais elle le fait pas tout le temps. Elle le fait de temps en temps. Deadpool, lui, c'est vraiment récurrent et c'est saoulant par la langue. Deadpool, et surtout quand tu connais Deadpool tel qu'il était avant dans les premiers comics, il n'a rien à voir avec le Deadpool de maintenant. Et le Deadpool de maintenant, il est vraiment saoulant, quoi. Tu as envie de lui mettre des claques, en fait. T'as envie de lui mettre des claques. Et quand j'entends les gens dire « Putain, Deadpool, il est super cool, ce personnage. » Ou on va te dire que Deadpool, Deathstroke, c'est un plagiat de Deadpool. C'est aussi les gens. Oh putain, ça fait mal. Oh purée, ça fait mal. Les gens qui disent ça. ça fait des très. Alors que c'est l'inverse, en fait. C'est vrai que. Bah, en fait, Gaël me corrigera si je me trompe. Mais en fait, c'est l'inverse, ouais. Non, ce que je voulais dire, c'est que Rob Liefeld, à la base, de ce que certaines sources m'ont dit, mais toi, t'es plus au fait des choses, c'était un grand fan de Deathstroke et il voulait faire une série sur lui. Quand il était chez DC, il n'a pas pu la faire. Et du coup, il a créé Deadpool, en fait. Il a créé Wade Wilson, il a fait un rip-off. Mais voilà, c'est clair que le côté, le côté brisage de quatrième mur, à un moment donné, ça va 5 minutes, quoi. Bah, surtout, ça te casse l'histoire. C'est pas eux qui ont inventé ça, en fait. Ni Deadpool, ni quoi que ce soit, ça arrive, ça existait déjà avant. Bien sûr. Par exemple, Miss Hulk, elle, quand elle brise le quatrième mur, c'est pas saoulant. Elle le fait de temps en temps, quoi. She-Hulk. C'est de temps en temps qu'elle le fait. Deadpool, c'est pour ça, moi, les films Deadpool, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi, les films Deadpool, j'ai adoré le premier. Le deuxième, je l'ai trouvé sympa, mais je l'ai pas autant aimé que le premier, en fait. Mm-hmm. Après, je sais pas ce que vous avez pensé des adaptations de Deadpool au cinéma. Je trouve que moi, j'ai bien aimé, mais il y a certains éléments, notamment le traitement de Colossus dedans, c'est pour moi insupportable. Colossus, si je vois. Tu trouves ? Bah, c'est pas Colossus qui est insupportable, c'est son traitement qui est insupportable. D'accord. Les blagues, ça devient lourd au bout d'un moment aussi. C'est ce que j'ai toujours reproché, moi, à Marvel, c'est que sur l'humour, ils en abusaient trop. Bah, en fait, dans certains films, ça fonctionne, et puis dans d'autres, ça fonctionne pas, quoi. Je veux dire, oui, mais le problème, c'est qu'ils en ont fait comme une norme, et c'est chiant. Bah, regarde, je t'ai dit plusieurs fois, déjà. Tu sais, quand j'étais allé voir Captain Marvel, ils te font passer Nick Fury pour un putain de bouffon. Pourquoi ? Après, tout ce que je peux te... Le souci, hein, c'est... Tu sais, je vais faire la comparaison du MCU avec les jeux vidéo. Tu vois, aujourd'hui, Gaël me dira ce qu'il en pense, tu as des jeux vidéo, tu vas créer un univers de ouf, des personnages de ouf, tu vas aller les voir, les mecs te diront... Ouais, c'est trop ambitieux, ça coûte trop d'argent, on va pas développer ça. Et tu auras quelqu'un qui va venir avec un petit projet qui coûtera beaucoup moins cher, mais qui leur plaira, ils vont développer ça. Donc,
Le problème, ça vient d'en haut. C'est tant que eux, ils estiment que c'est rentable à leurs yeux, ils se contenteront de ça. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu peux rien faire, hein, malheureusement. Bah, tu vas chez eux, tu leur pètes les genoux, et puis voilà. Ah, j'avoue. C'est une bonne idée. On envoie des potes russes, hein, les genoux, ça, c'est une bonne idée. Là. On leur fait signer un contrat. Hein. On leur dit que si tu n'acceptes pas, le colonel va venir te voir. Hein. Voilà. Il va appeler tes parents, il va te faire. Donc, non, c'est très compliqué aujourd'hui de... Ah, je dis ça sur le plan de la plaisanterie, bien sûr. Ah, bien sûr, oui. Nous disons ça sur le plan de la plaisanterie. Ne vous inquiétez pas, nous ne pensons pas ce que nous disons. Hein. Et juste que, voilà. Quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai que, pour revenir à Harley Quinn, voilà, quoi, c'est le personnage, elle est vraiment dans son prime en termes de popularité, hein. En termes d'exposition, elle est vraiment dans son prime. Donc, bah, ils en profitent, hein. Ils jouent là-dessus. Hein. La série d'animation, je pense qu'elle va durer assez longtemps. Je pense que depuis ces dernières années, il y a au moins eu... Harley Quinn est apparu au moins, que ce soit sur plusieurs médias, que ce soit dans un jeu vidéo, ou que ce soit dans une série d'animation ou un film, elle est apparue au moins une fois ces dernières années. Mm-hmm. Vraiment partout. Et puis même là où tu vois la popularité du personnage, c'est aussi dans les conventions. Quand tu vois le nombre de filles qui cosplayent Harley Quinn, c'est là où tu vois vraiment l'impact du personnage et toutes les versions possibles, quoi. Et je voulais revenir sur ce que Gaël disait, c'est vrai que par les temps qui courent, de définir un personnage par rapport à sa relation avec son gars, c'est pas très conventionnel. Et c'est là aussi, tu as une autre question qui se pose. Est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'auteur, tu te dois en priorité de faire une histoire qui va te plaire ou l'histoire que le public veut? Est-ce que tu dois céder aux exigences du public? Je peux te donner mon opinion là-dessus. La question, c'est de faire les deux. Alors, pour moi, c'est que des conneries. Tu veux que je développe? Alors, moi, je vais développer. Pour moi, c'est que des conneries parce que tu prends le personnage d'Harley Quinn où t'as d'autres personnages qui sont dans son cas, aussi bien dans d'autres œuvres. Pour autant, ils n'auront pas, on va dire, autant de succès que le personnage. Moi, je pense déjà, le personnage, ce qui attire, c'est. Il y a eu déjà le côté design. Oui, déjà, qui a fortement intéressé les gens. Et ensuite, il y a ce côté. Un peu fraîche qu'elle donnait, que ce personnage donnait. Donc déjà, voilà, c'est surtout ça. Donc voilà, après, c'est qu'à la base, ça se trouve, c'était un personnage qui devait seulement rester un personnage secondaire. Sauf que t'as tellement de gens qui ont fantasmé dessus, qui ont rêvé et tout ça, voilà, ça fait que t'as certaines personnes qui ont fait en sorte que c'est un personnage qui devient un peu plus de ce qu'elle... C'est-à-dire que sinon... en vérité, ça aurait pu être un personnage qui aurait pu être lambda quand elle a été créée par... C'est Paul Dini, c'est ça ? Roustine et Paul Dini, ouais. Ouais, voilà. Roustine et Paul Dini. Roustine et Paul Dini, quand ils l'ont créé, ce personnage, ça aurait pu être un personnage qui aurait pu passer aux oubliettes, hein. Bien sûr. Et je pense que c'est un personnage... C'est juste que c'est vraiment un personnage... C'était un personnage ou en couleur qui a vraiment marqué les gens. Oui, il y a ça aussi, et puis... C'est surtout la série, on va dire. Si la série Batman n'avait pas cartonné, surtout à l'époque, ouais. L'animation, je pense que personne ne parlerait d'Harley Quinn, quoi. C'est ça. Après, donc, et puis il y a aussi le problème aujourd'hui, c'est que quand tu sors un truc, que ce soit une série ou un film, t'auras toujours quelqu'un qui va te reprocher certaines choses par rapport au design que tu vas mettre à ton personnage, qui va te reprocher des choses qui sont fausses, tu vois. Et comment tu veux réagir face à ça? En fait, au final, ce que je veux dire, c'est que les créateurs, faut les laisser faire à l'instinct. Parce que au final, on peut avoir toujours des surprises. Mais le truc, c'est que Harley Quinn, à un moment donné, il faudra qu'il la laisse tranquille. Histoire que quand elle a son apogée d'or, il faudra pas qu'ils en abusent, parce que sinon la chute va être violente. C'est qu'à un moment donné, moi, DC Comics, il faudrait que, comme Marvel, même s'ils pensent qu'au fric, il faudrait qu'à un moment donné, ils renouvellent quelque chose de complètement nouveau et pas réutiliser les mêmes licences à chaque fois, comme fait Disney. C'est au bout d'un moment, personnellement, au bout d'un moment, moi, ça me fatigue de revoir un peu les mêmes choses, même si c'est pas les mêmes histoires.
Bah, tu vois, tu viens d'employer un terme qui est très fort. C'est une question de licence, hein. Tu sais que quand tu as une licence qui fonctionne, quand je vais parler de manière, je vais dire, quand tu veux jouir du fruit de la chose, bah, à un moment donné, comment dire ça? Tu fais ce que tu veux dans le sens que si tu veux le faire, tu veux le faire, et ceux qui ne vont pas aimer, ils vont partir, mais il y aura toujours des gens par derrière qui vont suivre ces licences-là, quoi. Après, il faut aller voir d'autres éditeurs, au pire. T'as d'autres éditeurs, tu leur proposes autre chose. C'est pour ça que moi, quand je parle de super-héros au D&D, avec Gaël ou en convention, je dis souvent aux gens, mais vous aimez pas ce que fait DC et Marvel, mais il y a d'autres éditeurs. Regardez, il y a Image Comics avec Invincible, pour ne citer que, pour ne citer que lui, il y a Savage Dragon. Allez chez Dark Horse Comics. Si vous aimez pas ce que vous voyez chez DC et Marvel, c'est peut-être parce que il est temps pour vous d'aller voir autre chose. Il faut aller ailleurs. Donc c'est ça aussi le problème. C'est aussi aux gens de faire la part des choses et de savoir que quand Ouais, ils c'est aiment qu'au plus un public, truc, qui montre qu'il y a des de se personnes en séparer grand des nombre choses, qui quoi. montrent qu'ils voudraient qu'on passe à une nouvelle ère, tu vois. Que tous les super-héros, les super-vilains que tu as dans les univers Batman, Superman, Wonder Woman, tout ça, qu'on les laisse se reposer à un certain moment, tu vois ce que je veux dire? Disons qu'il faut un juste milieu. Moi, je pense que DC continuera bien longtemps après nous de mettre en avant ces personnages-là, mais il faut qu'ils créent de nouveaux personnages, et ils le font depuis un moment. Hein. Par exemple, il y a Naomi chez DC qui est apparue il n'y a pas très longtemps, qui est un très bon personnage. Hein. Je sais pas si tu la connais, Gaël. Tu la connais ce personnage? Naomi Oui, McDuffie? je connais. Il y a Naomi McDuffie, il y a The Signal de la Bat Family, c'est le seul justicier de la Bat Family qui est haut en couleur et qui se bat le jour, et qui est un méta-humain. Donc, ils tentent des choses. Après, le problème, c'est que le public s'attache tellement aux choses et estime que ces choses leur appartiennent que des fois, ils ont des réactions disproportionnées. Là, je parlais à Gal il y a quelques jours du fait que. Attends, on parlait de quoi déjà où je t'avais dit qu'il y avait les réactions du public abusées? Voilà, c'était par rapport à Berserk. Berserk, voilà, le fait que l'auteur est décédé et son assistant, il a juste dit, moi, si j'ai la chance de pouvoir le faire, j'aimerais bien continuer la suite de Berserk, de Kentaro Miura Sensei. Et les gens ont commencé à dire que non, t'as pas le droit de toucher à Berserk, tu vas plomber l'histoire, t'auras jamais le niveau de dessin du maître. J'ai dit, le mec n'a même pas encore fait de planche, vous êtes déjà en train de l'attaquer. Mais c'est quoi cette époque-là? C'est Et c'est quoi Internet. C'est le c'est quoi, comportement, ouais. quoi ces comportements-là de vicieux, pernicieux, c'est abusé. C'est vraiment abusé. Donc c'est pour ça, des fois, le public, il a bon dos, c'est. Ok, il faut écouter le public, mais quand tu accordes trop d'importance au public, tu leur accordes trop de liberté, c'est la dictature, c'est vraiment une vraie dictature. Hein. Ah bah oui, mais oui, Donc bah j'ai c'est. jamais dit le contraire qu'il fallait pas un juste milieu. Ah non, Non, moi je disais je que sais, ces non mais. licences, à un moment donné, il faut les laisser se reposer, tu vois ce que je veux dire? C'est quelle comparaison je Il pourrais. y en a C'est comme vite fait avec qui. un champ, c'est comme si t'étais agriculteur, et que quand tu dois poser ton blé, ton maïs, tes tournesols, et tout ça, tu vas jamais cultiver la même terre chaque année. Tu dois la laisser se reposer. Et donc là, pour licence, moi je trouve que ça doit être pareil. Et à un moment donné, il faudrait qu'ils fassent des pauses pour que ben déjà les gens terminent tranquillement leur hype et que quand ça revient, ben, voilà. Parce qu'à un moment donné, Tu sais, je vais te ils... raconter. Vas-y. Je vais te raconter une anecdote. Et là, ça va peut-être se faire rire, Gaël, ça va peut-être te faire sourire. Il y a quelques années, il y avait le PDG de Square Enix. On l'interrogeait sur la. C'était à l'époque où il y avait Final Fantasy XIII qui sortait, le XV qui était en développement, mais qui n'était pas encore le XV, qui s'appelait Final Fantasy XIII-2, des trucs comme ça. Et j'avais des journalistes anglo-saxons et français qui disaient, ouais, nous, ce qu'on reproche à la saga Final Fantasy, c'est que vous faites la même chose. Pourquoi vous vous inspirez pas d'autres RPG comme les Mass Effect et tout ça? Vous savez ce que le mec de Square Enix il a répondu aux journalistes? Il a Vas-y. fait petite question, vous êtes japonais. Il a fait, excusez-moi, vous êtes japonais. L'autre, il a dit, c'est quoi le rapport? Bah, mes jeux, nous, on fait des jeux pour le public japonais. Donc, tant que le public nippon voudra ces jeux-là et nous soutiendra, ce que vous pensez, vous, les étrangers, les gaijins, en plus, il a dit gaijin, ça ne nous intéresse pas.
C'est-à-dire que le froid, le silence qu'il y a eu dans la salle, j'étais en mode oh, cassé. Qu'est-ce que c'est... Toi, t'en penses quoi de ce genre de réaction? Bah, ouais, mais après, c'est normal, c'est sûr, parce qu'au Japon, t'as une population. Oh, excuse-moi, je t'ai coupé, vas-y. Vas-y, Guy, vas-y, Guy, excuse-moi, je t'ai coupé. T'as raison. On t'a coupé. Non, non, vas-y, tu peux parler. T'écoute. Je disais, c'est un peu violent, mais il a raison. Donc. À un moment donné, il faut que les gens ferment leur bouche et qu'ils prennent ce qu'on leur offre, en fait. Bah, s'ils n'aiment pas, eh ben, ils prennent pas. Exactement. Mais non, aujourd'hui, les gens, ils n'aiment pas, mais ça vient, ça fait des pavés, tu vois, pour te dire que ça ne doit pas sortir. Ça doit pas... Les gens sont un peu, on va dire, un peu enfants gâtés. Ils sont, exactement. Ils sont habitués à avoir tout comme ils veulent, au moment où ils veulent. C'est le problème pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le comics, dans des effets un peu plus politiques, notamment aux États-Unis. Ah, ça. On appelle de l'entertainment, en fait. Ah, mais bien sûr. Le fait que tout soit dû. À n'importe quel moment, n'importe quand, au moment où on le veut. Alors, ah bah non, oui. C'est pas ça. C'est exactement ça. Bah, c'est aujourd'hui, tu as des possibilités, tu as des choix à faire par rapport à ces possibilités, et il faut respecter les gens en face de toi. C'est tout. C'est ça. Non, c'est exactement ça. Bah, surtout que, en plus, là où vous avez raison, c'est déjà au Japon, il y a aussi l'histoire du nombre. Les Japonais sont plus de 300 millions. Alors, le public là-bas, ils l'ont toujours. Tu prends la France, on est à quoi? 62 millions? Bah, on est peut-être un quartier de chez eux, hein, ils s'en foutent. Hein. C'est bien ça sûr. Aussi. C'est ça? Ah bah attends, tu rigoles, mais c'est ça? Bon, en plus, ah, c'est une blague, en plus, c'est une blague, tu vois, du Jamel. J'avais vu une fois sur le show de Jamel, il y avait un humoriste chinois qui était là. Il fait en France, vous êtes 60 millions? Ouais. Bon, un petit quartier pauvre de Pékin, c'est tout. Ah, j'ai fait un putain. Ouais, salut. Ça fait mal, mais en même temps, c'est vrai. C'est justement, quand le mec dit « Vous êtes japonais », il fait « Non ». Bah voilà, on s'en fout. C'est qu'avant tout, de toute façon, s'il n'y a pas le nombre, on va dire, conséquent à l'étranger qui dépasserait le nombre national, c'est-à-dire en termes de popularité, bah, ils s'en foutent, les mecs. Si t'as un public qui est plus important au Japon qu'à l'étranger, voilà. Et aux USA, c'est pareil, je suppose. Ah, bien sûr. Ah, mais clairement, les USA, c'est... Non, mais ils s'en foutent, parce que là, c'est pas un problème de... Comment dire, de nombre de personnes. C'est un problème de nationalité. Mmh. C'est ça. C'est un produit national de base, qui bien s'exporte sûr. À l'étranger. À c'est base, ça. Ils le font pas pour... Ils le font pas pour les autres. Ils le font pour leurs compatriotes. Mmh. C'est si ça. Si ça va à côté, tant mieux. Ça fait des ronds. C'est bien. Mais ils le font pas pour eux, à la base. Et ils vont pas attendre les desiderata, justement, des gaijins. Oui, ceci, oui, cela, mais c'est pas... on l'a pas fait pour toi à la base. Exactement. T'es bien content quand t'achètes tes trucs, pourquoi tu ouvres ta bouche maintenant? Exactement. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les gens disent oui, mais à partir du moment où nous on achète, c'est à nous. Donc ils ont plus leur mot à dire. Tu sais, des fois, t'as des réflexions sans queue ni tête, tu te dis, mais vous êtes sérieux quand vous dites ça ou... Mais moi, je me demande comment t'as des gens qui ont cette pensée-là, parce que moi, j'ai jamais eu ce genre de pensée. Par rapport au jeu et tout ça, en fait. Quand tu achètes une cartouche de jeu, je sais pas, en fait, la cartouche ne t'appartient pas, en fait. Tu payes l'utilisation de la cartouche, pas la cartouche. En fait, c'est seulement le bien matériel qui t'appartient. Le jeu en lui-même, non, oui. C'est toujours précisé dans les conditions d'utilisation, d'ailleurs. Bien sûr. Voilà. La licence appartiendra, quoi qu'il arrive, d'exploitation à l'ayant droit. Il faut rester, on va dire, un peu calme, un peu tranquille, et puis voilà. Ouais, il faut savoir raison garder, quoi. C'est exactement. Ça. Non, mais moi, je comprends pas pourquoi il y en a qui en font autant d'histoires, parce que tu prends moi, par exemple. Bon, correct, tu sais à quel point j'adore les jeux Total War. Hein? Bien sûr. Ben, il y en a, par exemple, qui râlaient qui ont râlé sur Rome Total War 2. Ah, c'est injouable, gestion est horrible, chose comme ça. Moi, j'étais pas complètement de cet avis. Après, ils ont changé, ils ont revenu sur un nouveau système sur Attila Total War. Mais moi, j'avais trouvé ça au début que ça faisait bizarre, mais après, je me suis habitué. Et des fois, je trouvais que les réactions des gens étaient un peu exagérées. Et justement, t'as un jeu, je vais prendre le Maca par contre de Battlefront, où je m'attendais à retrouver, on va dire, la même ergonomie de jeu
que sur les versions Xbox 1. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait plus de mode histoire, il n'y avait plus de mode conquête, que c'était une espèce de truc de jeton qu'il fallait s'amuser à ramasser, malgré que j'avais acheté le jeu, bah, j'ai arrêté de simplement de jouer. Hein. Je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sur Internet, me faire remarquer, que ça ne changera rien. Et ils ont sorti une suite, ils ont sorti une suite, mais la suite, je ne l'ai pas achetée parce que la première version m'a déçu. Ah, mais au pire, j'attendrai qu'ils feraient peut-être un remake du 1 et du 2 qu'il y avait eu sur les premières versions de Xbox. Hein. Ah, bien sûr. C'est pour ça que, comme Gan, il a dit, c'est quand tu n'aimes pas quelque chose, tu fais la part des choses, le mieux, c'est de se séparer du truc. Voilà. Et de l'oublier, plutôt que de taper des pavés dont personne n'accorde d'attention. D'importance, d'intérêt, oui. Pour se donner une pseudo-légitimité, quoi. Moi, je prends le meilleur exemple de licence qui me vient en tête comme ça, c'est Dragon Ball. Quand tu vois nombre de youtubeurs français qui crachent leur haine chaque semaine parce que Toyotaro, soi-disant, il bafoue Dragon Ball, mais pourquoi vous regardez, en fait? C'est quoi le projet, en fait? Pourquoi vous continuez de regarder? Pourquoi vous faites du mal? Ne regardez pas, en fait. Donc, non, c'est vraiment compliqué. Ou bien, on va te dire, oui, si t'as pas mis tel... aujourd'hui, on va te dire, si tu mets pas... j'ai remarqué un truc, surtout dans le comics, ou même en général dans la fiction, si tu ne mets pas un personnage d'une certaine, comment dire, tendance... Ouais. On va te dire que tu es gay, que tu es homophobe, des trucs comme ça, tu vois. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que non. Est-ce que vous vous êtes mis à la place de l'auteur, que peut-être c'est pas son truc d'écrire des histoires, des romances avec des personnages gays et qu'il sait pas le faire? Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Mais non, on va tout de suite te dire non, c'est pas normal, regarde, il nous respecte pas, on est oublié, le gars est homophobe, ceci, cela, quoi. Des fois, ça prend des proportions inouïes, quoi. Ouais, bah, ou bien des fois tu vas créer un personnage, tu vas imaginer un personnage que tu as en tête depuis des années, il est black, on va te dire non mais tu fais ça pour bien te faire voir, c'est du communautarisme, ceci cela quoi. J'ai qu'à prendre Yasuke, la série d'animation de Netflix, mais moi j'ai entendu des gens dire ouais, 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 mais c'est encore avec ça. Mais oui, il y a des gens qui ont dit oui, c'est une série qui est sortie par rapport à Black Lives Matter, le personnage il n'existe même pas. Je fais putain, non, c'est pas comme ça qu'on dit, c'est Black Lives Matter. Wanna be a thug, wanna be a thug. Ah, tu arrives à dire wanna be a thug. Bah, ouais. Black Lives Matter. Black Lives Matter, voilà. 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 Donc il t'arrivera quelque chose. Moi je suis fier de mon accent français, donc je dirais Black Lives Matter. Donc ouais, voilà. Sur la Harley Quinn. Oui. Ouais, là j'ai fait sa version ancrée, ça vous plaît? Oui. Moi je dirais, j'abuserais un peu en disant qu'il faut quand même grossir le trait extérieur, parce que le trait est un peu fin. D'accord. Ouais, c'est un peu fin au niveau des traits extérieurs. Mm-hmm. Après, avec la couleur, ça va se régler, mais au moins épaissir les traits de la ligne extérieure. Quoi. Steven, c'est vraiment un escroc, hein. Il est connecté. Ouais, j'avoue que pour le line... je vais vous faire plaisir, je vais le faire un peu plus gros, mais il y a une question de goût et des couleurs des fois. Bah, par exemple, il y en a certains qui préfèrent que je fasse plus fin, d'autres plus épais. D'accord. Ah bon? Ouais. Attends, tu prends pour... Parce que après, moi, c'est vrai que j'ai plus été dans les mangas que les comics. Les comics, je reconnais, ils ont des traits plus épais. Mais tu prends des... après, c'est pas tous les mangas, bien sûr. Mais tu prends certains mangas... le trait est quand même fin à certains moments. Ouais. Après, c'est vrai que je bosse toujours... C'est surtout que le truc, c'est que je bosse toujours sur la même épaisseur, en fait. À la base, vu que quand je fais mes ancrages, ça va être mis en couleur après. Donc, il faut des fois, j'essaye que le trait soit pas trop grossi. Ouais. Mais là, je vois ce que tu voulais dire. Tu vas pas te mettre à chanter, s'il te plaît. Non, c'est juste pour que ça prenne un peu plus de volume, quoi. D'accord.
Parce que là, je vais pas te dire fais des pleins, des déliés, ça sera un peu compliqué, il faudrait tout retaper. Bah oui. Au moins, si tu grossis le trait, déjà. Ouais, mais c'est pour la silhouette en général, oui, je vais grossir. Attends. Regarde, Steven est là. Bonsoir, Master Style. Bonsoir, Steven. Rush Shock. Je suis désolé, Steven, tu es arrivé trop tard. Rush Shock. Il était convenu que tu arrives il y a au moins une demi-heure, donc ton billet, c'est Guy qui va l'avoir. Donc voilà. Bonjour, Master Style. Oh, bonsoir, Agile. Bonsoir, Agile. Bonsoir, Agile. On a Agile, hein, du DND, qui vient nous voir. Merci, Agile, d'être là. Donc, hello, Agile. Pour cette première de D&D session, hein, avec Walter Gunn et avec Guy. Donc voilà. Le trio légendaire, hein, toujours là. Non, toujours là. Plus... Bon, le trio tout court. Mais il y aura d'autres. Il faut rester humble. Pas faut de légendaire. Tout ça pour vous dire que. On n'a pas sauvé le monde encore. Donc, Exactement. Tout ça pour vous dire que. Le monde, oui, c'est seulement la France ou seulement les USA? C'est la main, hein. Non, il a dit le monde, c'est la France ou les USA, et moi je lui ai dit c'est la main, moi. Donc, faut rester humble, ça c'est clair que lui. Ah, dit... J'avais une question pour Agile. Oui. Est-ce qu'il a eu des nouvelles de Perdek? Est-ce qu'il a renvoyé un truc ou est-ce qu'on lui a répondu? Alors, Agile, je pose aussi la question pour. Ouais. Je ne sais pas si Gaël t'a entendu. Gaël te demande si tu as eu des nouvelles de Upper Deck. Pour les cartes, est-ce que tu as eu un mail, une réponse? Ça serait intéressant à savoir. En espérant que ça ait pu se faire. Hein. C'est pas positif, oui. Oui, oui. Et sinon, Gaël, alors, comment avance Rémi sans famille? Là, je suis pas sur Rémi sans famille, là, je suis sur le fameux personnage des Masters of the Universe. D'accord. Un des seuls personnages noirs, d'ailleurs. Qui s'appelle Clamp Champ. Et c'est le personnage noir, donc avec une pince en guise de. Alors, c'est pas que son bras est transformé en pince, mais il a un sorte d'appareil qui se tient comme un pistolet. D'accord. Mais qui a un gros appareillage électronique au-dessus, avec donc deux pinces type crabe. Et bon, ça lui sert sûrement à attraper des trucs. Mais c'est vrai que c'est un personnage à pêcher peut-être en figurine ou notamment dans le générique du dernier, dans l'animé qui passe sur Netflix, on le voit à un moment dans le premier épisode en train de courir dans une scène caméo. Mais j'ai jamais vu ce personnage-là en fait en action dans les séries dans la série originale. Et c'est difficile de savoir en fait pourquoi la pince. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait? Alors, il y a Agile qui te dit, Gaël, non, il n'a toujours pas eu de réponse. D'accord, ok. Bon, bah, j'espère que ça va bouger. Bon, on va dire que c'est les vacances, mais bon, on n'hésite pas à les relancer, hein, mais on espère que. En même temps, si la personne t'a dit qu'il fallait attendre, ne relance pas tout de suite. D'accord, ce que tu viens de dire alors. plutôt dans un mois, parce qu'il ne faut pas. Faut pas brusquer les choses, quoi. Ouais, faut pas brusquer les trucs, et puis il faut pas apparaître comme un relou si t'envoies des mails tout le temps. J'avoue, dangereux, ça peut être contre-productif. Donc bon, si t'as dit d'attendre un petit peu, attends un petit peu, laisse passer, là, il nous reste 15 jours. Ouais, s'ils ont répondu, c'est déjà ça. Pour la fin du mois, s'il y a rien qui tombe d'ici le 1er septembre, au 1er septembre, tu peux renvoyer un mail avec, si t'as possibilité, des nouveaux dessins, et tu dis, voilà, je suis toujours intéressé pour faire des trucs, est-ce que vous avez des séries à me proposer. Voilà, puis faut voir. Ah, c'est une bonne chose. Ok. C'est une bonne chose. J'ai Siri qui s'est mis en marche quand j'ai parlé de séries à proposer. Eh ben, dis donc. Oui, parce que Siri, il a pensé à Siri. D'accord. Mon téléphone s'est mis en marche direct. C'est dangereux, ça. C'est très dangereux, ouais. Très, très dangereux, ouais. Bah, dis donc. J'ai pas encore. Donc là, je grossis les traits. Donc voilà, la Harley Quinn classique, hein. Classique telle qu'on la connaît. Hein. Je crois que c'est le design. Le premier design de sa première apparition, en fait.
vraiment le premier design. Et donc, Gaël, les gifs, ça te disait que j'avais mis avant que j'en fasse la présentation, tu reconnaissais les séquences, il y avait des trucs. Faut que je relance la vidéo parce que mon Twitch de mon côté s'est arrêté. Ah, il s'est arrêté. Ouais. Je te dis ça tout de suite. Voilà. Ah, version 92. Tout à fait, Steven. Tout à fait. Exactement. Mais sera-tu honnête? Bah, il y a le film là-haut. Il y a le film. Ouais. Après, il y a un truc, le troisième, je connais pas. Le troisième, je connais pas. Le deuxième. Injustice, les dieux sont parmi nous. Voilà, ça, je ne connais pas. Par contre, j'aime bien son design dans. En tout cas, de la tête, j'aime bien son design. Mmh. Ensuite, en troisième, t'as l'original, donc avec Batman en train de se fighter. Donc, ça, c'est classique, hein. Donc, il n'y a pas de souci de ce côté-là, c'est la base. Le quatrième, je connais pas parce que j'ai pas regardé la série. Alors, le quatrième, en fait, c'est le dernier film d'animation. C'est le dernier film d'animation, alors si, je l'ai vu. Ouais. De l'univers New 52. Je me souviens pas de cette scène. C'est dans Dark Apocalypse, c'est ça. Par contre, j'aime moins son design là dans le. Ah, c'est dans Justice League Dark Apocalypse. Ouais, c'est ça. C'est dans Justice League Dark Apocalypse Soir. Ouais. C'est celui-là. Ouais. D'accord. Mais il faudrait que je le revoie. Je vais peut-être le remater ce soir. Parce que je me rappelle de mémoire, c'était un bon. C'est la séquence où Lois Lane, en fait, elle vient recruter. Ouais, et Steven nous dit qu'il faut dire un gif et pas un gif. Je ne dirais pas GIF parce que tu as écorché mon pseudo. C'est Korag avec 2G, donc je dis GIF. Voilà. Et n'oublie pas de donner ton billet à Gaël pour demain. Même si je voulais, je ne pourrais pas venir. Donc, Et si tu pourras, peut-être pas, c'est bougé. Par contre, oui, pendant qu'on parle du billet, donc voilà, des gens qui ne sont pas au courant, Korag part en vacances, on se repose un peu. Mm-hmm. Et, mm-hmm. Mais il a une mission sur place. J'ai une mission sur place, oui, tout à fait, avec voilà. Steven. Donc, avec le maître de stage, il doit faire travailler une certaine personne qui est partie du Drakenbro, qui a tendance à tirer au feu en ce moment. Donc, c'est dommage, là, cette personne n'est pas là pour l'instant. Oui, elle est sortie, elle vient de l'avoir au téléphone. Ah, d'accord. Donc, elle savait qu'elle allait avoir du danger, c'est pour ça qu'elle n'est pas. Exactement. Bon, enfin, tout ce que vous lui direz, hein, que les vacances, ça ne va pas être que les vacances. Hein. On va sortir les cahiers passeport, hein, et on va faire des devoirs tous les jours. Exactement. À raison de 2 heures par matinée avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme activité, visite, sortie, plage, resto et autres. Parce qu'il faut travailler un peu, il faut rester. C'est ça. Pour rester au fait des choses. La rentrée, c'est bientôt, il faut garder le rythme. Oui, il faut faire les cahiers scolaires. Exactement. Les cahiers passeport, on est tous passés par là. Eh ben, dis donc, vous vous êtes bien trouvés tous les deux. Toi aussi, t'as pas ce qu'il ouais. On a sorti la même chose, Gaël, tout à l'heure. Et j'avais un grand-père, j'avais intérêt à faire tous mes cahiers scolaires parce que sinon il me foutait une grosse fessée après. Ah, ouais ah oui, d'accord, ah oui, c'est violent. Ah bah lui, il plaisantait pas, il fallait réussir à l'école là. Ah ouais, c'est bougé, bougé. Oui, il n'y avait pas de fessée, mais par contre, c'est clair qu'il n'y avait pas d'activité loisir s'il n'y avait pas des cahiers qui étaient faits dans la matinée. Hein. Ça, c'était sûr. Ah, ça, c'est clair. Pas de sortie, pas de machin, pas de plage, pas de ce que tu veux. Ouais. Si les cahiers n'étaient pas faits. Donc, voilà, c'est un rythme à prendre. Donc, pour cette personne-là, c'est le rythme qu'elle devra prendre quand elle sera avec lui. Ah, dis donc, pour le Seigneur des... Alors, petite anecdote, la saison 2 du préquel au Seigneur des Anneaux sera tournée au Royaume-Uni. Ils ont déjà prévu la deuxième saison, c'est-à-dire ils ont déjà prévu, ouais. Ça veut dire que les gens qui ont regardé les premiers shoots ont validé, hein, parce que sinon ils parlent pas de deuxième saison aussi vite, on n'a même pas vu la première. Alors il y a Steven qui dit, mais oui, c'est clair, tout à fait Steven, mais oui, c'est clair. Le gars, il me dit, mais oui, c'est clair, et le giflet, là, il va... Non, mais je compte vraiment sur vous pour que vous fassiez Le taf de surveillance, ça, la pression, le taf de surveillance. Elle a trop rigolé, je pense, cette personne. Elle a beaucoup trop rigolé. Et le Drakenbro, c'est pas la rigolade. Donc, Qu'est-ce qu'on a en échange ? Non, voilà, la version de Nord est terminée. C'est évidemment du travail bien fait. Et c'est une bonne chose, déjà. D'accord. Ah, bah oui, c'est très bien comme ça. Ah. Gaël ? Oui. Ce line, qu'est-ce que tu en penses ? Le retravail numérique d'Harley Quinn ? Pour être tout à fait honnête, je trouve que c'est mieux avec l'épaississement du trait à l'extérieur, donc ouais. Par contre,
voilà, je suis obligé de le dire, mais il y a un souci au niveau des proportions du personnage. D'accord. Ah bah ça, faut te plaindre auprès de Korag. Hein. je suis pas magicien. Ah oui, je ne me plains pas auprès de toi. Je ne me plains pas auprès de toi, mais il y a... Faut pas que ça soit toujours les mêmes qui prennent le coup de fouet. Hein. Ah oui, oui. Donc, ouais, c'est pas possible. Les bras sont trop courts. Le torse est imbriqué trop rapidement dans les hanches. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de partie abdominale. T'as mal, hein. Ah, oui. J'ai mal, là. Putain. Et même au niveau de la, comment on appelle ça, de la symétrie, tu as vu comment le costume tourne sur son corps, c'est que le costume a mal été cousu. Carrément. Ouais, bah, écoute, là, oui. Je vais reprendre mes bonnes vieilles habitudes, je vais rester dans ce que je fais de mieux. Hein. Donc, mais quand tu fais ces trucs-là, demande, on t'aide, on est là. Hein. J'ai pas envie de mourir, j'ai pas envie que tu me fouettes. Là, il vient de dire Agile, ça va fouetter ce verre ce soir. Ah, exactement, je vais mourir là. Non, mais Agile, je dis la vérité, c'est pour justement qu'il y ait une amélioration. Bien sûr. Après quoi, c'est pas fait pour défoncer du tout. C'est... Ouais, je sais. Mais de toute façon, moi aussi, j'ai eu droit quand je devais faire les croquis de Garo. Ah, ben ça. Ça fait longtemps que... Ah, oh, Steven. Arrête de dire ça fait longtemps. Tu me vois le mercredi dessiner. C'est juste que tu vois pas... Comment dire? Tu me vois dessiner le mercredi. Ça fait longtemps que JD n'a pas dessiné. Moi, ça fait longtemps que JD n'a pas cassé les genoux. Hein. C'est vrai, c'est bien de... Ça fait... Envoie ton billet, au fait. Envoie ton billet à Guy, n'oublie pas. Moi, j'ai payé 134 euros. Je dis rien. Lui, il a payé 174. Putain, mais il est trop fort. Il est trop fort. Alors, ça fait longtemps que tu postes pas. Oui, alors, au moins... Alors, tu vois, c'est deux choses différentes. Tu viens de passer de... Ça fait longtemps que Fidé a pas dessiné, alors ça fait longtemps que tu postes pas. Mais c'est quoi ce comportement? C'est quoi ces calomnies, là? Je vais appeler ta... C'est vrai ou c'est pas vrai? Si t'arrive malheur, elle saura. Non, mais c'est vrai que t'as pas renvoyé depuis longtemps. Oui, ça fait longtemps que je poste pas. Ça c'est vrai. Oui. Toi aussi tu fais partie de ces gens-là qui donnent pas le, qui participent au truc. Regarde ce qu'il a dit avant. Ça fait longtemps que JD a pas dessiné. Et là, comme je l'ai repris, cet escroc dit alors ça fait longtemps que tu postes pas. Tu vois la dichotomie? Tu vois la dissonance? Non, mais c'est quoi ça? N'oublie pas, Steven, que c'est à cause de toi aussi que j'ai été obligé de ramener des onigiri la dernière fois à la maison. Hein. Tu as payé. N'oublie pas ça. Ça, c'est gentil pour ta dame, hein, de dire ça. Parce que c'est comme si ça t'avait coûté... Exactement. Ça m'a coûté de lui faire plaisir. Bien sûr. C'est précieux, mon gars. C'est précieux. Moi, je suis radin avec l'argent. Qu'est-ce que tu croyais? Oh, mon Dieu. Ben oui, si je vois pas de potes, alors comment je peux savoir que tu dessines? Regarde-moi cet escroc, tu me vois le mercredi. Ne dis pas que ça... Les choses des... Pardon. Non, dis pas ça. Les choses... Non. Les choses de Abidjan, là, il faut me laisser tranquille. Oh non, le gars, il fait déraper mon gars. C'est pas possible. Il a failli déraper, mais salement, quoi. Ben non, pas du tout. Je me suis retenu. Oui, bien sûr. Bah si, je me suis retenu. T'as bien vu. Retenu comme l'arrière du... Enfin, le devant de la paroi... cervical empêche le coton-tige de percer. Oh putain, me parle même pas de ce truc là. De faire déraper tout le. Comment on appelle ça? Ah, rien que de le liquide céphalo-rachidien partout dans la cloison nasale. Rien que de ça. Bravo. Toi aussi, tu vas travailler pendant les vacances. C'est toi qui vas travailler aussi pendant les vacances. Je travaille déjà. Hein. Moi, je te non. parle, je travaille en même temps. Non, il parle pas de toi, Guy. Il parle de moi, Steven. Ah, mais oui, mais toi aussi, tu vas travailler. Non, moi j'ai comme mes onigiri, je peux pas. Ça va motiver la personne à travailler, c'est ça qui est bien. De toute façon, je vois pas de différence, je travaille tout le temps. Hein. Ah, toi tu travailles, t'inquiète. Non, mais c'est Steven, il va lui arriver mal. Et on s'égare du sujet justement du Drakendro, oui. Qui est les sirènes de Gotham. Ouais. Est-ce que les sirènes de Gotham, mais elles travaillent pendant les vacances d'été? C'est une vraie question. Il y en a une qui a fait un film pour cet été qui s'appelle Suicide Squad numéro 2. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez vu. Ah, il était très bien, le film. Il était très bien. Val Tangen, pas encore vu. J'ai été le voir aussi. Et, d'ailleurs, on a fait une séance cinéma avec
quelques membres du Drink and Draw. Une séance improvisée, pour le coup. Une séance improvisée, enfin improvisée, j'avais prévenu quand même les gens à l'avance. Enfin, je dis improvisée. De qui pouvait venir avec les histoires de passes sanitaires et autres. Mais, c'est ça. C'était très sympa. C'était une très bonne soirée. Très bonne soirée. Il y avait notamment notre ami Kibar qui était là. Il y avait Steven, ici présent, qui était là. Il y avait Ivan qui était là. Il y avait Ethan qui était là. Je l'ai vu, il est beaucoup plus marrant que le premier. Ah, t'as réussi à le voir, Agile, le film? Ah bah dis donc, c'est bien. Ouais, attention ton micro. Et ouais, je suis revenu. Désolé. Non, je suis revenu. Donc, maintenant, on attend Peacemaker, hein, la série, hein, le spin-off. Hein. Ouais. The Peacemaker. Et c'est toujours Sina qui joue? Yes, c'est Mister You Can See Me. C'est lui qui va faire Peacemaker, dès le premier jour. Dès le premier jour, en fait, la série, ce sera un spin. Alors, ce sera d'abord un préquel. Il y aura une partie préquel qui reviendra sur les origines de Peacemaker. Et ce sera aussi la suite du film, en fait. D'accord. Donc, on ne raconte pas, mais bon, voilà. C'est ça. Voilà. Ah non, Peacemaker, je pense que c'est dans le film Suicide Squad, je pense que c'est mon personnage préféré. Moi j'ai préféré Bloodsport, en fait. Il a peur des rats. Tu te rends compte? Ah non, non. Oui. Et alors, c'est pas grave. Mais non, il nous a fait honte. Non, je rigole. Bah, il t'a fait honte peut-être un peu, mais moi j'ai beaucoup aimé le personnage de. Mais tu rigoles, oh là là. De Bloodsport, notamment la relation qu'on voit pas beaucoup, mais qui est pas très. Qui est pas hyper utilisé. D'ailleurs, ils l'ont fait avec parcimonie, ça c'est bien. Comme ça n'a pas été lourd dans le film. Bien la sûr. La relation qu'il y a avec sa fille est hyper bien gérée, en fait. Et tu savais que. C'est vachement antinomique avec la relation que Deadshot avec sa fille dans le premier. Avec Will Smith. Il y avait une sorte de miroir par rapport justement à deux on va dire mercenaires renois avec tous les deux une fille. Et ils n'ont pas la même ambiance, en fait, avec leur fille. Bah, t'en as une, c'est une ado rebelle, tu vois, voilà. Prise, et l'autre, c'est une enfant. Voilà. Et surtout que lui, la différence entre Bloodsport et Deadshot, c'est que il le dit clairement à sa fille. Moi, j'ai jamais voulu avoir d'enfant, donc ta mère a besoin devant le fait accompli. Oui, c'est pas la même relation. Je trouve que ça faisait vachement miroir. Bien sûr. Et est-ce que deux, et c'était intéressant de voir justement deux façons différentes de traiter des persos qui sont assez proches en fait en termes de capacité, de technique, de machin, tout ça. Ouais. Et de voilà. De... C'est ça. Est-ce que tu savais pour l'anecdote qu'on avait proposé à la base à Idris Elba de reprendre le personnage de Deadshot et lui. Oui, ça je savais. Il a dit Deadshot c'est Will Smith donc moi j'ai pas envie de reprendre le. Il a eu raison. Il a eu raison. En plus, là, en parlant de Suicide Squad, il y a de nouveaux éléments de la higher cut de Suicide Squad qui ont fuité, parce que voilà, depuis quelques temps, le fandom s'active. Ouais. Et il y a notamment des pages de script du film. Celui qui les a mis à disposition, de toute façon. Qui ça? David Ayer. Oui, c'est lui. Il y a des pages de script et il y a une image du film, une séquence qui a été coupée. Tout le monde disait qu'elle n'existait pas, mais elle existe. C'est qu'il devait y avoir une romance entre Deadshot et Harley Quinn. Un peu comme il y avait dans. Voilà, faut pas qu'on aille trop loin. Mais on le voit à un moment donné, c'est le truc qui commence à se dessiner un petit peu. Oui, oui. Et puis c'est vite abandonné parce que le film il est fait comme il est fait. Mais on le sent à un moment dans le film. C'est ça. Mais là, il y a vraiment l'image qui a fuité. C'est pour ça que tout le monde disait non, mais c'est des racontars, ça n'existe pas, mais si ça existe. Donc voilà. En tout cas, Suicide Squad 2, n'hésitez pas à aller le voir. Et très bon film. Valtorgen, tu l'as pas vu encore? Non, je l'ai pas encore vu. Valtorgen? Oui. Non. Eh, je suis toujours là. Ah, ben ouais, mais on dirait que tu m'entends pas. Peut-être la connexion qui doit être un peu pourrie. Je disais, non, j'ai pas encore l'occasion de le voir. D'accord, ok. Donc, j'aime beaucoup ta possibilité. De toute façon, si je peux pas le voir au cinéma, vu que j'ai OCS, je le verrai sur OCS. Hein. Ouais.
Attends, j'ai mis le masque et Parce j'ai pas que là, capté l'image. je crois que le film va bientôt sortir sur HBO Max. Ah bah, comme tu peux voir, Agile, ils ont gardé plein de trucs, hein. Normalement, il y a Katana qui devait absorber des... En fait, il y a un personnage qui avait beaucoup d'importance également dans Suicide Squad, le premier, ça... N'oublie pas de ne pas tout dire, hein, parce que sinon... Je crois que son micro a sauté. Allô? Corag? Non. Micro a... Ah. Oui, je suis toujours... Attention avec ton Non, je micro. disais... Je parlais du premier film, je parlais pas N'en du... révèle pas trop, hein. Quoi, par rapport au deuxième? Bah oui, Mais... faut... Il raconte le Parce premier qu'en film, disant là. des choses du premier qui ne sont pas dans le... Oui, non, justement, si Agile en parlant Arc du raconte. premier, C'est dommage qu'ils n'ont pas on peut gardé dire cette qu'il romance n'y entre a pas Harley et ça dans le Deadshot. deuxième, tu Katana peux était premier révéler tout des choses, aussi. donc... Steven Stahl, je l'ai puni. T'as puni qui? Bah, il parle de moi. Bah, en fait, je disais juste, Guile, par rapport au fait que Katana avait plus d'importance dans le premier film, qu'elle aurait dû avoir beaucoup plus d'importance qu'elle ne l'a eu dans le traitement final, quoi. Ouais. Il y avait Ok. aussi le fait que El Diablo aussi il survivait à la base dans le premier film, donc ils l'ont Ouais. fait mourir pour des raisons voilà qui leur sont propres. Et puis il y a aussi Là, le je sais que tu parles du premier, mais bon, est-ce que tout le monde a vu le premier? Bien sûr. Bien D'accord, sûr. voilà. Ceux qui sont dans le chat, ils l'ont vu, bien sûr, bien sûr. Parce que Donc. pareil, hein, le premier, il ne faut pas le spoiler non plus du fait qu'il y ait le deuxième qui soit sorti, donc faisons attention. Ah, bien sûr. Moi, je dis toujours aux gens, regardez un film par le début. Hein. Regardez une franchise dès le début, ne commencez pas par le Non, mais milieu. c'est pas ça que je dis. Je dis là, toi, en parlant du premier, on ne sait pas si les gens ont vu le premier. Quand même, là, si, les gens, ils ont vu. Là, dans le chat, ils ont tous vu le film. Bon, voilà. Si Là. toi, t'en es sûr, il n'y a pas de problème. Ah, Mais bien on sait sûr. jamais. On sait jamais. Regarde-moi ce perturbateur, là. Ah là là. Qui ça? Non, personne, moi. Ah ouais. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. Attention, hein, on surveille. Je sais que tu me surveilles. La Je sais. France, elle a besoin de vous, hein, mais bon. Tant que Ah, vous merci. éliminez, on vous éliminera aussi. Jamais. You can terminate me. I'm invincible. No weakness. Ah, je rigole. Ah là là. Oh, une Bon. émission un samedi. J'arrive. Ah là là, bah. Il y a Quester qui vient de me dire qu'il va passer, mais c'est pas du Tokusatsu, hein, Quester. Attention, là on est sur du pur comics Ah merde, je américain. me suis trompé. Donc sinon, demain on reviendra sur Radiant Black, hein, toujours. Hein. Donc, Guy, je sais pas si tu étais là la dernière fois lors du précédent live de Radiant Black. Crois pas. Non, j'étais pas là parce que j'étais Oui, tu étais en visite en pour les petite. ongles crémaillère. Pas de souci, ouais. Donc Et c'était bon? l'émission s'est bien passée. La crémaillère. Alors, je crois Allô? qu'il n'a pas entendu. Alors, va... Allô, Gaël? Allô? Vous Oui, Gaël? m'entendez? Ah, je On vient de disais, te ta dire tout à crémaillère, c'était bien? Ouais, c'était cool. Ouais. Bah, c'est un ami Bonsoir. qui a acheté une Bonsoir. maison, en fait. Et en fait, la maison n'est pas finie, mais il voulait nous la présenter, en fait. Et après, on a été dans son appartement pour fêter le fait de l'achat de sa maison. Voilà, tout Bonsoir, simplement. Quester. Bon, bah écoute, hein, Quester, une nouvelle Ah, émission bonsoir, Quester. du samedi. Hein. C'est un test, hein, c'est D&D session. Donc, ce sera une émission qui sera consacrée à certains thèmes proposés à l'occasion du Drink and Draw Paris. Et puis là, la thématique, c'est les sirènes de Gotham. Mais pour le coup, j'avais opté pour Harley Quinn et Walthorgen a retravaillé numériquement ma participation. Hein. L'ancrage, la couleur. Donc c'est un test, on fait une émission le samedi. Donc je ne peux pas tout de suite te dire s'il y aura une continuité régulière d'émission le samedi du D&D Session. On verra en fonction de nos disponibilités, mais oui, là on est encore là pour une demi-heure, donc installe-toi, fais-toi plaisir, hein, et merci encore d'être là, hein, de nous suivre, une fois de plus. Donc voilà. Donc je disais, Gaël, on a commencé le thème... Ah, mais je demandais pas MDR, mais bon, sympa. Ah, pas de souci, quoi, ça. Donc, ouais, on a commencé Radiant Black la semaine dernière. Oui, il faut que je t'envoie les musiques officielles. Là, faut que je vois une nouvelle musique qui est sortie depuis, là. Et l'épisode 7 sera la semaine prochaine. Donc, mais malheureusement, j'aurai pas l'épisode 7 en format physique tout de suite en raison des vacances. Donc, ce sera à mon retour. Donc, voilà. En tout cas, j'ai convaincu plein.
convaincants de suivre Radiant Black. Ils ont été convaincus par la série. Steven, justement, on en a parlé. Guy, qui devait t'envoyer. Il va t'envoyer. J'ai vu son sketch. Hein. D'accord. Tu lui as dit que c'était bon ? Ouais, c'est bon. Il n'a plus qu'à aider. Il faut juste qu'il fasse attention au gabarit du personnage. Alors, Quister, j'en suis où au Chant des Valkyries, du coup ? Je t'avouerai que pour des raisons que je t'expliquais en MP, ça allait pas très fort ces temps-ci. Donc, j'ai fait une petite coupure. J'en avais besoin pour mon bien-être personnel, mais je reprendrai ça d'ici la semaine prochaine. Le cadre sera meilleur. Donc, voilà. T'inquiète pas, c'est prévu. Donc voilà. Ouais, excusez-moi si je parle pas beaucoup. Je viens de me rendre compte, je suis super silencieux depuis un moment. Mais t'as raison, d'un côté, c'est pour ça que Gaël et moi, on est là. C'est bien de faire les émissions à plusieurs, parce que, comme Gaël, il a dit... On ne voit pas le temps passer déjà, on peut parler plus facilement de d'autres choses et ça met plus d'entrain, plus de piment à l'émission, quoi, on va dire. Donc c'est ça qui est cool, ça met plus de piment au live. Et puis là, alors, c'est une première. On a perdu Agile et Steven. Je sais pas ce qu'ils sont. Non, Agile et Steven, vous êtes toujours là. N'hésitez pas à parler dans le chat. Hein. On ne va pas vous dévorer. Hein. Mais c'est surtout Steven qu'il faut attaquer. Parce que Steven, il observe, il ne parle jamais. Ben, Steven, ouais, c'est surtout lui. Agile, lui, il parle, hein. C'est Steven. Steven, c'est un escroc. Ouais. Steven est en train de manger son poulet ou autre chose, je sais pas. Son poulet, carrément. Steven est en train de manger son poulet, tu m'as tué. Mais non, c'est vrai. Ah, oui. Et sinon, ouais, pour les revenir aux sirènes de Gotham, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que bah, justement, cette série en comics, elle a été lancée par Paul Dini, un des créateurs du personnage. Ça a été lancé en 2009, de juin 2009 à août 2011, et ça a duré 26 épisodes, en fait. Donc voilà. Après, est-ce qu'on les verra un jour réunis sur grand écran ? Telle est la question. Bon, j'espère par contre que si un jour on voit Poison Ivy au cinéma, à nouveau, prenez une rousse, quoi. Honnêtement, prenez une rousse, quoi. Ou bien... je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais Gaël, mais voilà, prenez une actrice rousse, pas forcément connue. Non, mais pas forcément prendre une actrice rousse. Mais par contre, acheter du pento, acheter du bel color, et voilà. Même un gars qui est brun ou une meuf qui est blonde, bah, devient rousse, c'est pas de problème. Si c'est avoir un acteur qui est bankable, je ne sais pas, une teinture, ça coûte pas cher. Hein. C'est pas faux. Ouais, c'est bah attends, pour le soi-disant remake de Blanche-Neige, hein, je suis désolé, mais c'était du gros foutage de gueule, hein, le choix d'acteur. Oui. Hein? Ce n'est pas le lieu et l'endroit. Tu vas pas lui donner des idées, parce qu'après, il va te dire qu'il va faire Blanche-Neige en Metal Hero. Faut pas lui parler de ces trucs-là. Il y a des mots, faut pas prononcer ça devant Guy. Tu veux lui donner des idées ou quoi? Ah bah quoi, Blanche-Neige versus la reine méchante jalouse de sa beauté, c'est une bonne idée, ça aussi. Ah là là. Là, je lui ai dit que je faisais Rémi. Hein. Faut pas partir pour moi. Rémi s'en fait pas. Non, franchement, bon, je peux le dire à l'oral parce que ça ne m'engage à rien. Mais je sais que Gaël me le ressortira. Si jamais Gaël réussit à faire ça, tu auras droit à des onigiri offerts de ma part. Ah bah ça c'est cool, ça c'est bien. Voilà. Okay. Ça te donne envie d'en faire. Tu vois. Ok, d'accord. Alors, Uma Thurman n'était pas rousse, et pourtant elle était bien en Poison Ivy. Bon, le film était pourri à l'époque, mais ça, c'est pas sa faute. Ouais, mais elle avait les cheveux rouges pendant le film. Non, elle était rousse pendant. Elle était rousse, Agile, pendant à l'époque du film Poison Ivy. Elle oui. Enfin, Uma Thurman, qu'est-ce que je raconte ? Elle était rousse. Oui, c'est pour ça. Elle avait les cheveux rouges. Donc, il n'y a pas de problème. Même si c'est pas sa couleur de cheveux naturelle, pour le personnage, ils lui ont mis la couleur qu'il fallait. D'accord. Ah, Quister qui dit elle porte une perruque rousse. Ah, peut-être. De toute façon, ouais, mais même, voilà, si elle portait une perruque, bah, ça l'a fait. Ça se fait, ouais. Mais je garde un bon souvenir de ce film, en fait. J'ai dû le voir. C'est un petit plaisir coupable, hein, tu vois. Donc, je m'en excuse. Moi, j'aimais bien Jim Carrey quand il avait joué l'homme mystère dans Batman Forever. Ce film-là, moi, Jim Carrey, c'est mon personnage préféré dans le film.
Et c'est pareil, dans Sonic, il incarne bien Robotnik à sa manière aussi. Ah, bien sûr. Ah, mais il le fait très bien. Il fait très bien Eggman dans Sonic. Il fait très bien Robotnik. Moi, j'ai vu aussi Sonic il y a quelques mois. Ouais. Franchement, oh là là. Ouh là là, c'est-à-dire ? Bah, c'était pas très très bon quand même. Hein. Je peux peut-être te comprendre sur certains points. Tu n'es pas. Après, c'est peut-être de base, déjà de base, tu n'aimes pas l'univers de base, donc ça peut déjà. Bah, c'est même pas que j'aime pas l'univers, c'est que non, mais c'est disons que voilà, j'ai pas l'âge pour ça en fait. Là, ouais. Franchement, c'était pas un film où j'ai pas l'âge. D'accord. Ok. Ah, en tout cas, moi, je préfère ce film à Monster Hunter. Hein. Honnêtement. Alors, non. Alors, Valtorian, c'est une petite attaque gentille que j'ai lancée à Guy, parce que Guy m'a conseillé de me faire une idée sur un certain film adapté d'une franchise vidéoludique que j'aime bien, c'est Monster Hunter, ouais. Qui a été fait par Paul Anderson, à qui on doit de la tristement célèbre franchise Resident Evil au cinéma. Bah, écoute, entre les deux, j'ai préféré quand même Monster Hunter. Oh, l'attaque ! Contre-attaque ! Ah non, mais... C'est même pas une attaque, c'est un fait. C'est une contre-attaque, mon gars. Le sujet, le machin, voilà. C'est une contre-attaque. Donc, du coup, enfin, Sonic n'existe pas. Donc, ce que j'ai dit sur les Onigiris, ça oublie, en fait. Ah bon ? Ah d'accord, ok. C'est pas souci, hein. Je rigole. J'ai un portefeuille. Ok, t'as un portefeuille. Ok, c'est un appel. J'ai pas vraiment dit avec cette phrase-là, mais bon. D'accord. Donc tu me menaces en fait, c'est ça, avec ton portefeuille. Si, tu vas appeler des gens en fait. Tu vas dire, regardez, il part beaucoup. Il repart en vrille là, il repart en vrille. Il y a un film de Jim Carrey où il y a Jim Carrey qui joue dedans que j'ai revu qui s'appelait Disjoncté. Je sais pas si ça vous dit quelque chose ce film. Oui, bien sûr. Ouais, Disjoncté, putain, il était énorme. Ah, il était énorme. Mais j'avais oublié la scène de la prison. Bah, j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. Je sais pas si tu vois de quoi je parle, tu sais, quand ils sont au parloir. Si. Je vois, c'est laquelle. Moi, c'est le truc qui m'a marqué avec une. Il y a Sylvain qui dit Never Trust Mila Jovovich. Never Trust Paul Anderson. C'est pas Mila Jovovich. Never Trust Paul Anderson. Ces gens sont durs. Hein. Ah, mais bien sûr. Mais mon gars. Bien sûr. Mais tu sais que ce mec-là voulait adapter la franchise Metal Gear au cinéma. Tu sais ce que Kojima lui a dit. Non, il n'y a pas de question. Il a fait comme ça. Il a dit vous voulez adapter BioTech. Presque ça. Il a dit vous voulez adapter Metal Gear et il a dit ouais ça m'intéresserait et il a fait mais excusez-moi c'est bien vous qui avez adapté Resident Evil. L'autre il a dit oui et il a fait ça se voit. Au revoir. Ouais, clairement. Paul Anderson sur du Metal Gear jamais. Ah non. Metal Gear c'est une franchise. Déjà, tu travailles avec Kojima, hein, le créateur de l'univers, et tu fais ça bien, comme il faut. Tu fais pas n'importe quoi. Non, il y a des thématiques. Ah non. Et Attends, quel réalisateur Celui qui a fait Dragon Ball Evolution. Voilà, c'est comme si tu mettais l'autre, là. Puis j'ai oublié Wong. C'est comme si tu mettais James Wong. Si tu mettais James Wong sur du Metal Gear, mais jamais, mon gars, jamais, touche pas à ça. Va-t'en, monsieur. C'est quoi ça? You wanna be a thug? You wanna die? You wanna die? Non. Ça mérite une tonsure, ça. Ça mérite une tonsure. Ah, bien sûr, ça mérite une tonsure. Putain, Monster Hunter 2020. Il y a des gens, ils ont mis 3 étoiles quand même. Hein. Coup, on peut le chausser au moins. Mais exactement, mais je lui ferai ça, mais exactement. Ça, c'est la violence quand même, hein. La violence capillaire. Ah, mais c'était ultime, mon gars. C'était ultime. Parce que les enfants, ils ont dû aller à l'école après. tu imagines, aujourd'hui, à l'école... à l'école primaire, ça va, il n'y a pas de téléphone portable. Mais imagine, tu vas au collège comme ça, tu es en sixième, mais là, tu fais la une des réseaux sociaux. Tu changes d'établissement après, c'est tout, hein. Ah, ben, et si le père veut pas qu'il change d'établissement? Le père dit, À un moment donné, c'est là aussi l'équilibre psychologique de tes enfants. Il fallait qu'ils y pensent. Faire des humiliations
Tu sais que tu peux être attaqué pour ce genre de truc en plus. Moi, je dirais à ces gens-là les choses des. Vous gardez non, ça. Arrête-toi. Arrête-toi tout de suite. Arrête si. Tout de suite. Voilà. Laissez-nous éduquer nos enfants. Putain, mais le gars, il est malade. Et occupez-vous des vôtres. Occupez-vous de vos jetons. On s'occupera des nôtres. De vos jetons ? Oh, le gars est malade. De vos rejetons. Ah, rejetons. Le gay. Ah, bah oui, oui. On oublie. Ah, bah oui. Non, mais j'avoue, le. On oublie le 5. Les coiffures de chaussée au moine qu'il a fait aux enfants, c'était violent. Franchement, même moi, je le dis, c'est. Je dis, ça, c'est trop. Mon cœur, il a lâché. Mon cœur, il a lâché. J'ai dit, c'est. Quelle est cette cruauté, là ? Imagine quand on est parti à New York en 2019 avec Steven. Ouais. On a arrêté chez un barbershop, dans un barbershop sur Harlem. Imagine, ouais. Il n'aurait pas été content de le comportement de Steven pour telle ou telle raison. Et il lui aurait fait une coupe comme ça aux chaussées au moine. C'était fini. Ah putain, chaussées au moine. Chaussées au moine. C'est un bon fromage pourtant. Donc voilà, bon, pour ceux qui sont perdus dans la conversation, alors Quester et les autres, ce qu'on vous explique, c'est qu'on a vu une vidéo, j'ai vu une vidéo il y a quelques temps d'un papa sud-africain qui punissait ses enfants parce qu'ils aimaient mal travailler à l'école, et il a fait des coiffures cosmiques, chaussées au moine. Et c'était ultime, c'était magique, parce qu'il n'y a que en Afrique que tu peux voir ça. Il n'y a que en Afrique que tu peux voir ça. T'as d'autres endroits où tu peux faire des dingueries comme ça, t'inquiète pas. Ah bon, trouve-moi ça. Bah écoute. Tu vas en Amérique du Sud, tu vas aux États-Unis. Bah, nous, une fois, ma mère, pour nous punir, elle avait rasé le crâne de moi et de mon petit frère. D'accord. Tu vois ? Voilà, tu vois. Enfin, non, mais elle a pas fait comme. Écoute, Walter Gunn, je t'enverrai la photo en. Je t'enverrai la vidéo en MP quand tu verras la coiffure cosmique que les enfants ont subi. Toi-même, tu vas dire, mais attends, mais des gamins avec la coiffure du curé, j'en ai connu, hein. Je déconne pas. Non, hein. Ça, c'est pas le curé, ça. C'est pas le curé, ce que tu vas voir. C'est des coiffures cosmiques, mon gars. Cosmiques. Ah, mais je croyais que tout à l'heure, tu parlais des coiffures à la curée. Oui, non, parce que en fait, il a fait. On a employé l'expression chaussée au moine, mais en fait, c'est au-dessus de chaussée au moine. Si tu vois ça, tu te dis, mais c'est la coupe au bol, en gros. C'est pire que la coupe au bol. Non. Pire que la coupe au bol, mon gars. La coupe au bol, ça repousse. Là, c'est-à-dire que. Tu vas avec ça dehors, les gens te filment direct, ils font des mèmes avec ta tête, ils rigolent. Il n'y a pas d'autre explication. Et Steven, tu veux savoir c'est quoi cette histoire? Mais il connaît Steven, ah fous-moi le camp, il connaît. Il peut pas dire qu'il connaît pas. C'est un donc, classique Steven. C'était par rapport à ce que j'ai dit de le voyage à New York en fait. Ah d'accord. Il a pas compris. Ah t'as aimé. T'as aimé les Resident Evil, Quester ? Bah écoute, si tu as aimé, c'est tant mieux. Hein. Comme quoi, il en faut de. Comment dire ? Les goûts et les couleurs sont variés. On va peut-être parler du film d'animation aussi. Parce qu'il y a les longs métrages d'animation qui sont intéressants. Ah, les longs métrages d'animation, bah, vu qu'ils suivent la trame des jeux vidéo, bien sûr qu'ils sont intéressants. C'est clair. Ouais. Mais les films live, j'ai du mal. J'ai du mal, les films live Resident Evil. Tu veux, j'ai. Les deux premiers, j'ai réussi à les regarder, et puis les autres, j'ai pas réussi. Ça dit non. C'est pas du tout rien. C'est trop nanardesque, à mon sens. Laissez-moi tranquille. Trop éloigné de l'ambiance du jeu vidéo. Donc c'est pour ça que je suis bien content que ce monsieur-là, monsieur Kojima, lui ait dit « Go fuck yourself poliment sur Metal Gear ». Bah oui. Il lui a dit ça poliment. Il lui a dit poliment « Go fuck yourself ». Bien sûr, mon gars. C'est vous qui avez fait ça. Mais dire, en plus, tu vois, comment il dit ça. La façon comment il dit ça, c'est vous qui m'avez présenté vide. Et l'autre qui dit vraiment. Et l'autre qui dit vraiment Paul Anderson, oui, c'est moi. L'autre, il dit, ça se voit, au revoir. Je fais, oh putain, non. Ça se voit, au revoir. Mais le manque de respect. Bah oui, c'est violent, hein. T'imagines ? Après, même les meilleurs réalisateurs du monde sont pas à l'abri de faire des daubes. Hein. Non, Paul Personne Anderson. Personne n'est à l'abri. Paul Anderson, c'est un cas particulier. Moi, je suis bien content qu'il ait pas touché cette franchise Metal Gear. Moi, quand j'ai vu la réponse de Kojima, mais j'étais heureux. J'ai sorti le champagne ce jour-là, entre guillemets.
Mais j'étais content, t'imagines? J'étais Du content. champagne, Mais oh là j'étais là, content. c'est horrible. Mais j'étais content. Et C'est tu comme si étais content. demain, Gaël. C'est comme si demain, Gaël, on adapte Sharp et c'est Uwe Boll qui fait le film. Tu vas dire quoi? Tu vas être C'est qui content? t'a eu les bols? C'est le gars qui a fait Ultraviolette avec Eh mais Mila si, Jovovich. j'ai bien aimé Ultraviolette en fait. C'est pas un bon film parce que les moyens sont pas utilisés dans l'acting et tout ça. Mais bon, moi j'avais lu le comics et tout à l'époque, et j'ai trouvé que Ultraviolette en fait était sympa à regarder. Mais c'est sûr que c'est pas un film de ouf. Ah, bah Quister, ah, je suis d'accord hein, pour Mila Jovovich. On aurait pu avoir Mila Jovovich, voilà, c'est clair. Steven qui dit on aurait pu avoir Uwe Boll. Ah, bah c'est clair. Paul Anderson a fait Event. Ah, il est Hey, très sympa. vous faites partie de ces gens-là, vous êtes violents avec les réalisateurs, hein. Non, non, Et... moi, non. Je suis pas violent. Je serais violent, j'aurais fait des pavés sur le gars. Moi, je fais pas de pavés sur les gars. Moi, je dis Ouais. juste que j'aime le travail. C'est tout. En tout cas, je le dirai toujours jamais assez, Gaël. Moi, je suis content qu'il n'ait pas eu les droits de Kojima pour faire Metal Gear. C'est une Oui, bonne chose. ok. Donc, On est Kojima. BFM, on est BFM. Ok. Voilà, exactement. You wanna be a thug? You wanna be a thug? Turn around. Turn around. You're the guy who done Resident Evil? It's you? Yes, bullshit. Next. Gaël Mais est bon. Ah, mais tu te Gaël est lâches ce malade. soir, dis donc, Korag. Non, S'il ça. demande à manger, ne lui offrez pas de nourriture après 20 h. C'est pire qu'un Exactement, gremlin. ça me transforme en Ah, comme gremlin. les Il a fait Gremlins. AVP. C'est ça. Bah, en fait, Quester, je trouve que il a fait de bons films, Paul Anderson, mais depuis Resident Evil, j'ai l'impression qu'il s'est perdu en fait sur plein de choses. Mais Mais est-ce bon. que c'est pas des films de commande qu'on lui demande aussi? C'est ça le truc. Ah, Où il y il a a peut-être. pas la où il a pas la main dessus parce que les producteurs sont ils sont sur le truc quoi. Ils sont sur Bah, le truc et de ce que je sais pour Resident Evil, comme les deux premiers ont marché, après il avait une totale liberté en fait Ah ouais? Donc c'est lui sur. qui est vraiment mauvais alors. C'est ça, ouais. Alors, Écoute. Monster Hunter, Legend of the Guild. Alors, il Il est devra. sympa, il est sympa, il est sympa. D'accord. J'ai Ça se bougé, c'est regarde, voilà, c'est comme un gros épisode d'animé avec un début, une fin, ça se regarde. D'accord. C'est pas exceptionnel, mais c'est pas non plus pourri, donc Oh putain, il y a l'autre qui dit. Il y a Steven qui ose dire Guile, regarde le film Blood Rain et on parlera de Uwe Boll. Blood Rain. Ah, je connais pas. Et par C'est un Paul jeu. Anderson aussi? En fait, c'est un jeu vidéo à la base avec une nana vampire, si tu veux, qui combat Ouais. justement des vampires et genre tu dois bouffer. Tu dois boire beaucoup de sang en fait dans le jeu. Ouais. Et ils ont fait des adaptations de ça, mais. Uwe Boll, voilà quoi. Uwe Boll, quoi. Mal. Ah, c'était pas bon. C'était pas bon du tout. C'était vraiment pas bon du tout, quoi. Ouais, mais vous en avez vu des films chelous, les gars? Bah écoute, toi, t'as bien vu Monster Hunter. C'était chelou, ça aussi. Ah, mais pas chelou, non, ça va, franchement, ça va. Ah zut, il a résisté à mon attaque. Ah, Désolé. c'est pour moi, j'ai pas pris ça comme une attaque. Pour moi, c'était une attaque gentille, cosmique. Un peu comme les. Mais non, il se regarde hein, le monteur. Comme je t'ai dit, c'est un film que tu vas regarder, tu vas Ouais. passer un bon moment en le regardant. Une fois que tu as fini, bah, tu passes à autre chose, tu as oublié. Voilà, point barre. C'est un film du moment. C'est un film plateau repas, en fait. Alors, Steven qui dit le pire, c'est que le casting est ultime pour un nanar. Tu parles de Blood Rain? Putain, je regarderai. Ou Enfin, bref. peut-être de Monster Hunter. Monster. Ouais, non, je pense qu'il parlait de. Je De pense Blood qu'il. Rain. Ouais, je pense qu'il parlait de Blood Rain. Non, non, mon Monster Hunter, c'est. Moi, je pense que. En fait, j'aurais plus vu Monster Hunter, une série live, qu'un film, si Ouais. tu veux. J'aurais plus vu ça sous format série live, tu sais, une petite série de 7 épisodes. Ah, donc une mini-série, donc. Ouais, tu sais, un peu comme ils font avec Lupin, des trucs comme ça, tu vois, des mini-séries de plusieurs épisodes. Mais bon, après, je pense que la franchise va être rebootée au cinéma, à mon avis. Hein. Je pense pas qu'il y ait de suite pour le premier, parce qu'il n'a pas forcément cartonné au box-office. Ouais. En Donc plus, voilà. il est sorti pendant la pandémie, le truc, hein, Bah donc oui, il est sorti ça n'a pendant la pas pandémie. aidé non plus, hein. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Oh putain, je viens de voir à quel point. Oui, Gaël, t'avais raison. Il y a une Quoi? disproportion au niveau du visage, là. Putain, de ma Harley Quinn. Il y a un côté que je l'ai. Oh putain. Tu me croyais pas quand je le disais? Non, non, je l'ai pas remarqué, celle-ci. Je te croyais, mais j'ai pas remarqué N'avais celle-ci. pas confiance, tu n'avais pas confiance. Si, si, si.
C'est juste que j'avais pas bouffé suffisamment de nigiri pour bien remarquer, en fait. Oh, bâtard. Cet enfant est possédé. Non, je suis pas possédé. En tout cas, pour le thème Injustice, déjà, qui sera le prochain thème, j'ai une petite idée de qui je vais faire comme personnage. Ah bah justement, si c'est le prochain thème, faites bien bosser qui tu sais là-dessus. Bah, on compte sur quoi, Gag, pour t'assurer qu'il fasse attention à son dessin, alors? Lol, on sait que Guy ne dit pas la vérité. Oh purée, Steven. Master Style, il faut pas dire ça de Guy. Guy, il dit la vérité. Bon, on espère... La vérité sur quoi? Quel sujet? Non, par... il répondra. Je le laisse répondre. Pardon. À tes souhaits. Merci. On est 8 personnes ce soir. Bon, bah écoutez, pour une première, pour D&D Session, c'est bien sympa. Hein. Donc je tiens à rappeler, pour ceux qui arrivent, que voilà, c'est Walter Gunn qui s'est efforcé de retravailler numériquement ma participation sur le thème Harley Quinn pour les sirènes de Gotham et qui fait la couleur. Donc voilà. Et en fait, Steven, c'est... Steven, pardon. Korag. Yes. C'est con que on te voit agir à l'écran et Walter Gunn animé. Ah, you want me to be a thug? We will see. Next time. Ça pourrait être marrant, tu vois. Next time. La même chose sur un de ses travaux. Next time. Ok. Next time. See you next time. Pour être sympa, oui, tout à fait. Bah ouais. C'est cool. Tout à fait. Bon, en tout cas, il y a du monde qui est venu ce soir, qui est toujours là. Donc merci à ceux d'être passés, malgré la période de vacances là. Festival, parce... je suis pas sûr de mon truc. Bon, comme je disais, c'est vraiment, comme je disais, c'est la période des streams, comment dire, pas forcément réguliers, parce que voilà, août, on est en vacances, on en profite. Donc, on remercie à ceux et celles d'être là. Hein. Donc voilà. Donc demain, Radiant Black, hein, ce sera l'étape ancrage, si je dis pas de bêtises. Et l'émission aura lieu à quelle heure? 18h normalement. Hein. Dans la soirée. 18h. D'accord. Dans la soirée, 18h, 20h. Si jamais il y a un souci, je préviendrai Walter Gunn. Ouais, bah, c'est par exemple, si j'ai encore un putain de rage qui me prive d'électricité, hein. Voilà quoi. C'est ça. Non, putain, j'ai vraiment mal vécu ça. Je viens de t'amener, Clampchamp. D'accord. Mm-hmm. Voilà. Il n'y a plus qu'à scanner et puis le poster. C'est ça. Ah, c'est une bonne chose. Donc, vive comme scanner. Hein. Ah, je suis en vacances. Alors, Quister, je suis en vacances et je viens de passer 2 jours en stage de récupération de points de permis. Donc, ça change les idées. Ah, bah, en espérant que... Ah, les points de permis, mince. Désolé. Ah, bah, j'espère que ton permis n'a pas sauté, Quister, qui est toujours bon. Hein. Donc, voilà. Bah, s'il a fait un stage, c'est pour récupérer des points. Ou son permis n'a pas sauté. Non, c'est ce que je disais, j'espère que son permis n'a pas sauté, c'est ce que je voulais dire. Bah justement, c'est ce que je te dis, s'il récupère des points, son permis n'a pas sauté. D'ailleurs, vous savez à combien est limité la vitesse des routes nationales aujourd'hui? C'est ça. Il m'en restait juste en récupérer pour remonter le nombre. D'accord, t'avais roulé trop vite, Quister, c'est ça? T'avais roulé trop vite ou c'est comment? On a bien ça. Pardon. Oh non. Pas fait que ça. Ah, c'est sale. Oh non. Ah, c'est en buvant de l'eau en fait, j'avais travaillé. Non. T'as un accident. C'est parce que t'as trop mangé ce midi. Ça, non, pas du tout. Non, ce midi, j'étais vraiment KO, donc j'ai eu besoin de faire ma petite sieste, mais là, ça va quoi. Non, parce qu'il faut que tu saches, Walter Gunn, avant que Guy ne m'attaque, il faut savoir... Pas, moi, je dis la vérité. Il faut si tu attaques. Depuis que j'ai dit à Guy que quand je ne mange pas le midi, je rattrape mon repas du midi l'après-midi avant de rentrer à la maison pour le repas du soir, il dit, mais il a allumé, en fait. C'est pour ça. Parce qu'une fois, je l'ai appelé un soir et je m'étais pris un sandwich. J'étais en train de manger. Il dit, oui, là, je suis en train de manger. Il dit, bah oui, je n'ai pas mangé à midi. Et le gars qui dit,
Et je suppose que tu vas encore manger à la maison, fait. On peut rien te cacher. Non, c'est juste en fait qu'il ne veut pas avouer que en fait c'est un hobbit. C'est un hobbit. Pourquoi les hobbits, c'est des gros. Parce qu'il mange 7 fois dans la journée. Voilà pourquoi. Ah bon? 7 fois? D'accord. J'ai toujours pensé que c'était les nains, les gros mangeurs de la terre du milieu, en fait. Ah non, c'est les hobbits. D'accord. Il explique bien dans la version longue du la communauté de l'anneau. Oui, oui, je l'ai vu aussi. Ou Taragon qui demande à Myriel et Pipin, mais qu'est-ce que vous faites? Bah, on prend un petit déjeuner, mais vous l'avez déjà pris. Oui, le premier. Ouais, et que faites-vous du second petit déjeuner? Déjeuner. Et de la collation de 11h. Exactement. Du déjeuner. Le goûter, déjeuner, le dîner, le souper. Et du souper. Alors, tu as eu 2-3 flashs pour des dépassements sur autoroute aux limitations dépassées de 3 km/h au-dessus des limites. Après rabaissement, donc 1 point plus 1 point plus 1 point plus 1 point. Donc ça va vite. Ah, effectivement, oui, ça va vite. Vu comme ça, ça va très très vite. Bah, s'il avait fait 12 points, ça va encore. Hein. S'il n'avait pas fait 12 points, ça peut vite. Ça peut vite partir. Ouais. Donc vu que Steven est là, je suis. Genre... Vu que Steven est là. Ah, yep. Il t'en restait 5. Ok. Alors, ça part vite hein, ces histoires de permis en fait. Ça part super vite en fait. On est bien tac. Exactement. Bien tac. Bien tac. Ah là là. Là, c'est ce qui me tue en plus en parlant de permis de conduire. C'est surtout quand souvent les gens ils se font contrôler, si tu veux, positif, à l'alcool. Et là, il y a un truc que j'ai vu par rapport à la pandémie. C'est un documentaire qui est passé, c'était sur quelle chaîne, je sais plus. Le gars, pour faire baisser le d'alcool, il disait, regardez, je fais des pompes pour éviter de souffrir. Mais c'est pas crédible, en fait. Pourquoi tu ça sert à rien, ça accélère la diffusion de l'alcool dans le sang. Donc, bah oui. C'est ça. Complètement idiot. Bah non, c'était ridicule. J'ai fait, le gars, il fait des pompes. Non, mais c'était pour montrer qu'il était encore alerte. Qu'il voulait faire bien sûr. Et le pire, à la base, tu sais comment le gars s'est fait contrôler? À la base, c'était un petit contrôle de routine. Le gars était avec un de ses potes, il parlait très fort dans la rue. Donc le policier lui dit de se calmer. Une fois, deux fois. Et le policier s'en va et il dit au policier que ouais, je vais vous dessus. Donc je vais vous uriner dessus. C'est le courage liquide, ça se paye. Et le policier, il fait bon, ben, on va faire un petit contrôle. Et le gars dit non, pas besoin de faire de contrôle, je vais bien. Donc ils ont dit venez faire contrôle, et là ils ont vu que le gars était éméché. Et de toute façon, ça travaillait même avant qu'il ait contrôlé. Hein, et le gars a perdu ses points bêtement de son permis. Et le policier qui l'a contrôlé, il a fait vous rendez compte que quand vous a dit de partir avec votre copain, rien de tout ça serait arrivé. Vous auriez encore votre permis, vous auriez décuvé chez vous. Là, vous avez voulu faire votre malin, bah faut en assumer les conséquences. J'ai fait, oui, oh. Parce qu'il faut savoir que quand on est détenteur d'un permis de conduire. Si on est en état d'ébriété sur la voie publique, que l'on soit à pied, en vélo, en skate, je sais pas quoi, si on a des points de conduite, on les perd en fait. Bah alors oui. Qu'on n'est pas en voiture. Bah oui. Donc c'est dangereux, hein. Faut pas faire n'importe quoi. Ah, bien sûr, c'est dangereux. C'est hyper dangereux le permis de conduire. Faut pas blaguer avec ces choses-là. Hein. Et puis aujourd'hui, là, c'est comme j'étais à Porte de Clichy tout à l'heure, je traverse au feu rouge, le gars passe derrière moi en klaxonnant, il grille le feu rouge, et qu'est-ce qui se passe? Il se télescope avec une autre voiture, bêtement. Oh, ouais. Donc, les faits, ça, c'est le karma. Le karma a parlé. Il n'y a pas eu de dégâts humains. Non, il n'y a pas eu de dégâts humains, mais voilà. Et moi, j'étais comme ça, j'ai fait, voilà, c'est ce qui arrive quand on ne respecte pas le code de la route. Et, plus exactement, j'étais comme ça. That's the problem with Christmas. You open up your present. Oh, and it's over. N'importe quoi. Ah là là là. J'étais en mode, c'est bien fait. Ah, t'as perdu. Et en plus, le gars qui est sorti de la voiture, accidenté entre guillemets, le gars était énervé. Bah, le gars était... Mal, il faisait sa vie normale, la voiture était cassée. Il fait, oh là 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 là, il est pas content. Il n'est pas content, donc voilà. Il va pas être content que voilà, il faisait sa vie, quelqu'un lui rentre dedans. Normal. Tu m'étonnes. Ça te gâche la journée et les jours qui suivent, donc c'est compréhensible. Bah,
surtout griller un feu rouge, quoi. Donc, non, non, c'est respecter le permis de conduire, c'est tout ce qu'on peut dire. Bah, j'étais un petit joueur au stage, car la plupart, c'est des suspensions de permis, état d'ébriété, stop, grillé, feu grillé, accident avec alcool. Mais ça, c'est... Oh ah, non, c'est catastrophique. Ah non, c'est catastrophique. Mais je pense qu'en France, je pense que la France est un des pays les plus... avec les plus gros, on conduit le plus mal au monde. Ah, Walter Gann, je fais des fautes, je vais vérifier. Je vais corriger, j'ai vu ma connerie, attends. De quoi, qu'est-ce qui se passe? J'ai confondu, j'ai mis 2 R au lieu de 2 G. Voilà. Voilà. Parce que bon, toi, moi, tu le fais pas tout le temps. C'est pas comme Steven, qui a écrit régulièrement Korag avec un seul G, là. Et scroll. C'est Korag. Exactement. Ah là là. Donc voilà. Donc voilà. Non, non, c'est... En parlant de, en plus de, d'accidents de la route, pour en revenir aussi du drink and roll, c'est clair que même Harley Quinn à Gotham avec les sirènes, elles en font des accidents. Le nombre de... J'ai pas lu la série. Bon. Je suis pas hyper intéressé par ce genre de... La série d'animation ? Non, la série comics, parce que je suis plus Ah oui, non, parce que la série d'animation pour adultes Harley Quinn, c'est vraiment une bonne surprise. En plus, c'est rated R à souhait. Donc, non, ils y vont, mais ils se font plaisir, quoi. Alors, Steven qui dit, je prononce courage. Laisse-moi. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah non, non, c'est abusé. Il dit, j'écris courage. Je vais t'en donner, moi, du courage. Il en faut du courage, hein, pour parler comme ça. Hein. Ah bah oui, oui. Moi, ça restera JD. Merci, Quester. Tout à fait. Bien, bien, tac. Là, no more stock. Voilà, bah on a fini pile poil dans les temps. Là, je vois, c'est 21h. Ah bah, juste à 1 minute de 21h, franchement, bravo. Ouais. À 1 minute de 21h. Donc, bah voilà, c'était la première édition de D&D Session. Hein. Ouais. La prochaine fois, on la préparera mieux. Oui. Je penserai à des trucs, en fait, parler d'anecdotes par rapport aux personnages, des machins. Pas de soucis. Ouais. Pas de soucis. Peut-être plus... Ou le loup violet en argent. Pour l'audience. Pas de soucis. Ouais, c'était un premier essai, on était en mode cool, c'est les vacances. C'est ça, ça, c'est marrant, je me rends compte que sur le gif où on voit sa tenue d'Arlequin, le rouge et le noir sont inversés, parce que le modèle que j'ai pris, pourtant, ben c'est noir et rouge, et pas rouge-noir. D'accord. Bah écoute... Ça, c'est pas, Valtorian, ça, c'est pas très, très grave, du moment que... On reconnaît les couleurs. En gros, le truc, le costume, c'est pas grave. C'est ça. Ouais, mais je viens de m'en rendre compte que maintenant, c'est par ça, rapport au GIF. D'accord. Attention, l'autre, il va encore mais te c'est dire. C'est vrai que c'est noir et rouge, et pas rouge et noir. Ouais, mais attends, c'est que ça doit être des erreurs même qu'il y a dans l'animé, parce que pourtant, j'ai pris sur l'animé. Hein. Attends, je vais revoir, parce que là, ouais, j'ai... Attends. Je vais revoir le mode. Je vais recomparer avec les autres, parce que j'ai pas fait gaffe, là. On va regarder, hein. En rouge et noir... J'exilerai ma peur. Qu'est-ce qu'il raconte, Steven? C'est pas mal. Il parle de la chanson. Je la connais pas, ça me dit rien pour le coup. Tu connais pas la chanson en rouge et noir? Rouge et noir, la chanson. Oup. Non, ça me parle pas. Variété française, gars. Ouais, la seule chanson française que je connais. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. En fait, j'ai pris un putain de fanard. Ah, mais c'est pas grave. Jeanne Masse, tu connais pas Jeanne Masse? Je connais juste « Mais tu dis... » Mais non, toi, t'es ouf, toi. Ah là 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 là. Attends, rouge et noir. Bon. Attends, rouge et noir. Jeanne Masse, gars. Jeanne Masse. Ah. Ah. On a un nouveau follower. Attends. Streamer Scout Berlin va suivre la chaîne. Eh ben, merci de nous suivre. Ben, merci de suivre la chaîne. Hein. Merci de follow... Walter, de nous suivre, surtout la chaîne. Hein, et bienvenue pour cette édition de D&D Session. Et en tout cas, demain, on se retrouvera pour le Tokudro, hein, voilà, sur Radiant Black. Donc voilà.
Ah, ces enfants, comme dirait Steven. Moi, j'ai envie de te dire, Steven, ah, ces billets, hein. Tu vas le donner à Gaël. Bon, alors, final, satisfait des couleurs ? Oui, oui, bah, oui. Même hein, si, bon, par ma faute, j'ai inversé les carreaux. Enfin, j'ai inversé les couleurs. Ah. C'est Julien, comme dirait Christian. Lol. Bah, écoute, c'est pas grave, hein. On va dire que c'était une tenue alternative qu'elle avait. Et puis, la prochaine fois, comme dirait Gaël, là, c'était un essai, on était en mode détente. Mais elle préparera encore mieux qu'elle l'a fait, notamment, comme il a dit. Je pensais à un truc, en fait. Selon le sujet de l'émission Drick & Draw qu'on fera, le truc intéressant, ce serait aussi de ne pas faire que Walter Gunn, en fait, dessine toute la session. Mais on pourrait faire un review des travaux qui ont été faits par tous les jours du Drick & Draw à l'image, et faire peut-être soit des critiques constructives ou parler d'anecdotes, de machin, et ça pourrait être intéressant, en fait. Pourquoi faire pas, faire des reviews des dessins et voir ce qu'on pourra améliorer ou pas. Ouais, pourquoi pas. On va trouver intéressant dans la proposition d'eux ou d'un tel. Exactement. Après, si les gens... moi, de toute façon, pour la prochaine émission... Attends, qu'est-ce qu'il m'a écrit que ça va donc inverse l'image. Attends, tiens, on va voir. Tiens, j'ai posté le clan de champ sur Facebook. Hein, au cas où. D'accord. Moi, comme j'avais... je regarderai ça, gars. Moi, comme j'avais dit... Moi, je me dis que pour la prochaine émission, il faudrait éventuellement... De toute façon, on présentera ça en amont, il y aura la belle bannière. En fait, vaut mieux pas j'inverse qui marche, parce qu'on voit encore mieux les erreurs proportions à cause de l'effet miroir. Ouais. J'avoue, le bon, faut éviter, là, faut éviter. Je attends, je pareil, parce que je te remontre. Dessin, ouais. Ressemble à rien, donc... En fait, c'est aussi intérêt quand on inverse une image pour quand... ce qu'on appelle l'effet miroir. De toute façon, toi-même, je pense que tu connais, Guy. Le principe, c'est que quand tu fais ça... Ouais, mais moi, je le fais pas. Moi, je le fais rarement aussi. Je change. Mais on voit mieux certains détails qui vont pas sur le corps. Ah oui, là, j'ai encore mieux vu, là. Là, j'ai encore mieux vu. Là. Non, non, non. Là, ouais. Non, donne bien ça. Oh, non, ça... Hey, franchement, ça va, hein, par rapport à... Parce que je te dis, si tu prends un de mes dessins et tu le flippes... Enfin, tu l'inverses, tu vas avoir des belles surprises. Hein. Des mecs, ils deviennent bicéphales, ils ont des monstruosités qui leur apparaissent sur le visage. T'as un bras qui est plus gros que l'autre, une jambe qui est déplacée. Alors que quand tu le mets à l'endroit, en fait, le ouais, ouais, c'est marrant l'illusion d'optique que ça crée. Hein. Moi, pareil sur des dessins, moi, ça me le fait des fois. Hein. C'est pour ça que je regarde même plus. Avant, je faisais ça, j'essayais de faire... Ouais, mais en fait, c'est super long à faire. Et... Tout nickel, quand... ouais. Mais ça, tu perds du temps, en fait. C'est ça. Oh, mais si, tu perds un temps phénoménal. La... Si franchement, à part quand tu fais vraiment une illustration importante et que t'as du temps, ok. Mais des fois, attends... Il y a Sir Dragon qui dit que Harley Quinn a une rage dedans. Si, j'ai vu. J'ai vu. J'ai vu. Maintenant, je vois, parce que c'est vrai qu'elle a une grosse... En fait, comme tu as du costume qui passe sur la joue côté gauche, et que ce costume-là ne passe pas sur la joue droite... On va voir, ça fait pareil, là. Donc, c'est enflé d'un côté. C'est ça. Il est beau, le XOR. Tu vois, par contre, ton Gavan, on voit pas vraiment s'il y a des erreurs. Hein. Ça se voit pas. Le Gavan. Ah, franchement, même si tu vois, lui, tu l'inverses, je vois pas d'erreur. Hein. Ah, il y a un petit côté bicéphale un peu là, mais bon, c'est pas grave. Ça va, ça tient. Ah, il est très bien. Par contre, si je prends un des miens, je pense qu'on verra peut-être des trucs. Je prends, je sais pas. Allez, tiens, une Fergal Girl Red là. C'est marrant parce que tu as dessiné la poitrine comme McKenna dessine les poitrines. C'est marrant. Qui ça, moi ? Ouais. Ah bon ? Ouais. C'est pas pendant... Elle fait toujours un centre de face et un centre de profil sur ses personnages. D'accord. Ah, ça, c'est Inferno Girl Red, ça. Ouais. Ouais. Ouais, là, je... Ah, non, ça va. On les voit pas trop, là. Si... Mais c'est qu'avec Inferno Girl Red, tu peux faire un même, en fait. Hein. Tu peux faire un gif animé où elle passe d'un côté à l'autre. C'est genre gym tonique. Tac, tac, tac,
tac, tac, tac, tac, tac. Mm-hmm. Je vais faire comme si j'avais rien entendu. T'as vu ça? Tu l'as mis du côté, tac, tac, tac. Exactement. Tac, tac, tac. Exactement. Voilà. Bon. Et t'as l'intro du... de Black and White de Michael Jackson par Slash. Bon, bah écoutez, en tout cas, pour cette première émission, Drink and Draw. Session, Et c'est lui qui dit qu'il n'y a pas d'erreur parce que c'est sûr. Non, mais je ne réponds pas à ce qu'il a dit en fait. Il a mangé un clown ce soir. Mais... Donc, je disais, pour cette première émission de D&D, des commentaires à ajouter de votre part, est-ce que c'est une horaire qui vous conviendrait d'appliquer si un horaire. Oui, est-ce que c'est un horaire qui conviendrait d'appliquer? Désolé, c'est la fin de l'émission, je commence à un peu... Si on fait l'émission de Drick and Bro, ça serait tout... En fait, normalement, ça serait 18-20h aussi. Bah oui, c'est ça, ouais. Ça serait 18-20h. Yeah. I'm Tyrone, surtout. Donc, oui, ce serait plus... si on devait continuer l'émission, ce serait dans ces eaux-là. Le live D&D Session, ce serait le samedi, hein, de 18 à 20h. Hein. Donc... Et Tokudro continuerait le dimanche. Donc, en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment, hein, ceux qui nous regardent. Agile, Steven, Quester, vous avez passé un bon moment. Ça va, c'était cool. C'est cool pour vous. On a perdu Alain. On a perdu Agile. Non, bah, est-ce que vous êtes toujours là, les gars, avant, parce qu'on va bientôt rendre l'antenne, hein, pour notre première. Hein. Agile a disparu. Voilà. Non, j'espère. Ah, Steven qui dit « je reviendrai ». Quester dit « oui », qui reviendra aussi. Là, il valide. Et Agile, bon, bah, bonne question. Est-ce que Agile reviendra? Reviendra-t-il? Telle est la question. Bon, bah, alors, on va clore notre émission spéciale. On se dit peut-être. Alors, on se dit peut-être un mercredi pour une prochaine émission Drick and Draw Session. C'est oui, ça? Peut-être mercredi, ouais. Voilà. Peut-être mercredi, ouais. Donc n'hésitez pas à bien suivre nos réseaux sociaux pour rien rater des nouvelles. Alors Guy qui dit on va en faire une toutes les semaines. On verra, ça dépend. Non, j'ai pas dit ça. J'ai demandé si vous vouliez en faire toutes les semaines en fait. Bah oui, j'étais en train de te répondre. Si on voulait en faire toutes les semaines, j'ai dit ça dépend. On verra. On verra en fonction de la disponibilité. Oui, voilà, ça sera ça. Parce que mercredi, ça me paraît tôt quoi. Ça me paraît tôt. Hein. Ah, disons quand même, c'est pour entre l'émission Tokudro et celui de Drick and Draw, c'est histoire qu'on ait quelques jours de pause avant de refaire quoi. Puis, on verra. De préparer correctement. C'est ça. On va se concerter en amont. On va se concerter en amont pour voir. Et de le faire sur des sujets. Pas sur tous les sujets, sur des sujets bien spécifiques. C'est ça. Je sais pas quel est le thème de la semaine prochaine. C'est Injustice, les dieux sont parmi nous. Ah, c'est pour ça que tu voulais le faire, ok. Ah, sur un personnage d'Injustice, ok. Okay. Bah, on ne fera pas, voilà. Donc, il a dit quoi, j'ai pas entendu. Je crois qu'il faut qu'on va clore, parce que sinon ça va encore durer longtemps. Bon, je vous remercie tout le monde de nous suivre, et bienvenue au nouveau. Hein. Et donc, je vous dis à demain, pour l'émission de Tokudro, à 18-20h. Demain, c'est donc on poursuit l'étape de l'ancrage de Radiant Black. C'est ça, tout à fait. Radiant Black, ok. Voilà. Allez, un dernier mot, Coragal. Bon, bah, je dirais merci à ceux et celles qui d'avoir suivi cette première édition de D&D Session. On se dit rendez-vous à demain pour le second thème. Hein. Enfin, pas le second thème, on se dit rendez-vous demain pour Radiant Black, tout simplement. Hein. En tout cas, merci à Guy et à toi, Valtorgun, d'avoir répondu présent à l'appel. Donc, à demain, chers Tokudrowers, pour Radiant Black. Bye bye, à demain. Au revoir. Et on est officiellement hors ligne.